Tu es prêt? Shalom, 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 connectez-vous. Je suis très en joie de vous retrouver aujourd'hui. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Waouh, soyez bénis. Vous êtes très bien connectés ce soir sur le grand direct. Je dois être localisé. Alors, soyez bénis. Merci de bien vouloir partager ce live. Atteignons le plus grand nombre de partages parce que ce soir, c'est grave, c'est extraordinaire. Le cahier de Dieu est déjà ouvert, le cahier des révélations est ouvert. Et je crois que ce soir, des choses extraordinaires sont sur le point de se passer. C'est pourquoi nous partageons le live, nous partageons. Je te dis merci, parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci, parce que tu m'as sauvé.
La joie de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes. Shalom, 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 shalom. De là où vous êtes, alors, dites-nous d'où vous nous suivez, d'où vous me recevez actuellement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, soyez bénis, soyez salués. Waouh, 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 waouh. Il y a la joie aussi dans le ciel lorsque des enfants de Dieu s'assemblent pour l'adorer et pour le louer. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez richement bénis. Que la grâce de Jésus soit votre partage. Hey, ya, 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 ya. Il y a mon fils ici qui m'appelle là. C'est pas bon là. Ok. C'est le technicien. Demandez-lui de faire le scrospotage. Je suis déjà en direct. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, d'où vous nous suivez, partagez le live. Atteignons le plus grand nombre de personnes pendant que les techniciens sont en train de faire le scospotage dans toutes les pages. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, soyez vraiment bénis, soyez vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez bénis. Merci de partager le live. Merci d'inviter vos amis, d'inviter vos bien-aimés. Parce que ce soir, des choses extraordinaires sont sur le point de se passer. Soyez richement bénis. Soyez richement, richement bénis. Alors, merci de partager le live. Ce soir, nous sommes en version TGV. PGV. Nous sommes en version PGV. Car nous sommes là dans notre programme de révélation. Et je crois que Dieu fera des si grandes choses, des choses extraordinaires. Soyez bénis. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît.
Ok, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci déjà d'être là, vous êtes très nombreux, très nombreux, très nombreux. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes déjà des centaines de personnes connectées. Et ce soir, nous allons rentrer dans des choses très, 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 très sérieuses. Alors, soyez bénis de là où vous êtes. Merci de bien vouloir partager le live et d'inviter vos amis, identifier encore vos bien-aimés. Permettez-moi de prendre mon portable rapidement et de voir si le rendu d'image est bon, le rendu de son est bon. Si c'est bon de votre côté, vous pouvez me faire signe. Si vous me recevez 5 sur 5, si tout est bon de votre côté, vous pouvez me dire, prophète, on vous reçoit 5 sur 5. Et je vais commencer. Prophète, on vous reçoit 5 sur 5 et je vais commencer. Ce soir, nous sommes venus apporter les yeux de Dieu sur terre. Ah oui, nous sommes venus apporter les yeux de Dieu sur terre. Nous ne sommes pas seulement venus avec des Bibles, avec des écrits, mais nous sommes venus pour apporter les yeux de Dieu sur terre. Vous savez, la plus grande dimension de la voyance, c'est quand le voyant devient l'œil de Dieu. Je reprends, la plus grande dimension de la voyance, c'est quand le voyant devient l'œil de Dieu. Et ce soir, je vais vous choquer en vous disant que certainement le Seigneur m'a prêté son œil afin de voir dans une situation difficile de ta vie. C'est pourquoi là où tu es, la manière ou encore le nombre de partages que tu fais ici est aussi proportionnel au type de grâce que le Seigneur est prêt à te donner ce soir. Lorsque nous demandons aux personnes de partager, c'est pour atteindre le plus grand nombre de personnes, c'est pour pouvoir toucher la plus grande communauté. Car n'oubliez pas que quelqu'un en passant par ce live peut être sauvé. Quelqu'un en passant par ce live peut trouver son compte et Dieu peut vraiment toucher sa vie. C'est pourquoi où vous êtes, vous pouvez m'aider à partager ce live dans tous vos groupes avec des amis, partager avec des bien-aimés. Vous pouvez m'aider rapidement, partageant maximum, invitant le plus grand nombre de personnes. Vous pouvez appuyer sur des cœurs. Si vous me recevez, appuyez sur des cœurs. Alors, je vois plusieurs personnes connectées ce soir. Déjà, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes déjà à plus de 1500 partages, atteignant le plus grand nombre de personnes. Alors, je profite rapidement à regarder si le direct a été cross-porté par les techniciens sur nos différentes pages. Attends, je ne sais pas, tantôt dit cross-porté, tantôt dit en discropagé, je ne sais même pas. Hein. Ok, vous allez me donner le bon mot. Alors, soyez bénis. Ok, juste le temps que les techniciens font le cross-portage aussi dans les autres pages, je vous demande de là où vous êtes de partager ce live. Partager, identifier des amis. Oui, plus nous partageons, le Seigneur peut toucher des milliers de personnes. Le Seigneur peut toucher des vies ce soir. S'il vous plaît, là où vous êtes, aidez-moi à partager le live. Partageant et atteignant le plus grand nombre de personnes. Déjà plus de 10 minutes que nous sommes déjà là. Ok, nous n'avons pas assez de temps parce que grosse portée. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Partageons le live. Alors, permettez-moi, avant d'entamer ce temps, de vous décliner un peu le programme, comment sera organisé ce programme qui débute ce soir, ce programme de 3 jours sur le thème « Je dois être localisé ». Je dois être localisé. J'avoue que ce programme est un programme très spirituel. Et c'est un programme qui a été tellement combattu. Parce que où je vous parle, à cet instant, je sors d'une convalescence. Oui, je sors d'une convalescence. Mais je bénis le Seigneur de ce que je me tiens debout devant vous. Je suis là ce soir, car même jusqu'à 18h, j'étais toujours convalescent. Mais lorsque j'ai juste pris mon portable, je me suis mis à communiquer avec vous. Il y a une joie qui est descendue sur moi. La joie de vous servir, la joie de prier pour le plus grand nombre de personnes. Il est très important de rappeler que nous ne faisons pas ici des choses pour de l'argent. Mais nous faisons des choses, c'est pour l'amour du Seigneur. Si ce n'est pour l'argent, il me suffit. J'ai toute une régie, je pars sur ma régie, je fais avec les partenaires. Parce que les partenaires, c'est des personnes qui financent mon ministère. Et vous voyez, si ce n'est que l'argent, là-bas on pourra parler d'argent. Mais si je viens ici, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'envoie. J'ai l'amour de toucher encore la plus grande communauté à pouvoir accepter le Seigneur Jésus. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes à la dernière heure, et en cette dernière heure, nous devons sauver le maximum de personnes. Nous devons toucher
le plus grand nombre de personnes au Seigneur Jésus de Nazareth. Donc déjà, loin de dire que nous sommes là pour l'argent, Facebook ne me paye pas, notre page n'est pas sponsorisée, sauf par le Seigneur Jésus qu'elle est sponsorisée, mais Facebook ne sponsorise pas notre page. Donc, s'il vous plaît, où vous êtes, soyez concentrés, connectés ce soir, et vous recevez la grâce du Seigneur là où vous êtes. Soyez concentrés, parce que ce programme, je reprends et je répète, a été tellement combattu. Ce programme a été tellement combattu. Mais j'ai foi de là où vous êtes. Si vous êtes seulement concentrés, Dieu va vous parler. Oui, vous passez par des situations difficiles, vous avez des problèmes, vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Là où vous êtes, soyez concentrés. Le Seigneur est prêt à vous parler, car sa main n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour vous entendre. Alors, c'est pourquoi vous êtes, si vous êtes fatigué, si vous êtes triste maintenant, si vous avez un problème qui vous embête, s'il vous plaît, veuillez vous débarrasser de ce problème. S'il y a quelqu'un qui t'a frustré la journée, si tu as eu à pécher la journée de manière consciente ou inconsciente, là où tu es, s'il te plaît, lave tes pensées, lave ton cœur, parce que ce soir, tu es au rendez-vous de Dieu, tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Alors, je vais décliner rapidement ce programme. Vous savez que ce programme va s'étendre sur 3 jours. 3 jours durant lesquels nous allons annoncer des mystères. 3 jours durant lesquels le Seigneur se révélera certainement dans les profondeurs et assurément à des vies, donc à des milliers de personnes connectées. Alors, je tiens juste à vous rappeler qu'il y aura en fait différents numéros ici. Différents numéros ici parce que mon programme, je l'ai ordonné. Nous n'aurons pas seulement ici indirect, ici virtuel, mais je vais aussi me permettre comme ça là d'organiser aussi un temps de réception pour des personnes qui seront localisées, comme pour ces personnes là qui ne seront pas localisées. C'est pourquoi je vais mettre un numéro ici pour toutes les personnes qui voudront aussi me recevoir, parce que il faut avouer que depuis que le confinement a commencé, je n'ai pas reçu. Depuis que le confinement a commencé, je n'ai pas reçu. Et là, je suis en train de voir comment lancer des réceptions parce qu'il y en a des demandes partout dans le pays, des autorités. Il y en a vraiment, c'est des milliers de demandes, vraiment des personnes. Ok, merci. Le live a été transporté sur ma page, je crois. Ok, merci aux techniciens. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, donc, rapidement, je demande aux techniciens de bien vouloir m'épingler ces différents numéros lorsque je veux rentrer déjà dans le service prophétique. Donc, je vais mettre ici des numéros sur lesquels les personnes qui sont localisées. S'il y a des personnes qui sont localisées, exemple, on appelle ton nom, exemple, Madame Myrina Vou, qu'on appelle son nom, elle appelle, il y a sur le numéro qui est ici. Vous savez, il y a toujours un bruyamini à ce niveau. Je répète, et je me répète, si on ne vous a pas demandé d'appeler, faites preuve de patience et de sagesse. Parce que si vous appelez tous en même temps, ça va embrouiller. Vous savez, c'est Dieu qui nous parle. Ça va embrouiller, nous allons rentrer dans une distraction. Donc, tant qu'on ne vous a pas demandé d'appeler, n'appelez pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont juste se connecter là pour chercher à appeler, pour être localisé, prophète, parce que depuis là, je partage, on ne me localise pas, prophète, je fais ceci, je fais cela, on ne me localise pas, donc moi-même, je suis passé à la vitesse supérieure, je préfère appeler. Non. Donc, on n'est pas localisé, n'appelle pas. Je crois. La seule chose pour toi d'être localisé, c'est de prier là où tu es et de partager. Parce que plus tu partages, plus tu commentes, je vois ton nom, et en voyant ton nom, l'Esprit de Dieu peut me donner un message sur toi, peut me donner un message te concernant. Voilà, peut me donner un message te concernant. Donc, là où vous êtes, on va mettre un numéro ici, rien que pour des personnes qui seront localisées. Des personnes dont on va... Oh, merci Seigneur. Vous voyez, je parle déjà même, l'Esprit de Dieu me souffle là quelque chose dans l'esprit. L'Esprit de Dieu me souffle quelque chose dans l'esprit. Donc, je reprends. Parce que là, on est tous d'accord. Si on ne vous a pas dit d'appeler, n'appelez pas. Je vais dire ça en chinois. Je ne connais pas parler chinois. Je vais dire ça en anglais. Je ne connais pas bien parler anglais. Je vais dire ça en quelle langue? En français. Si on ne vous a pas demandé d'appeler, please, n'appelez pas. Ne peut qu'appeler ici des personnes qu'on demande d'appeler. On va mettre le numéro ici.
Si on tente à localiser, exemple, Romaine ici, je vois telle chose, je vous appelle pour relâcher un peu le message d'une manière plus fluide. Parce qu'ici, parfois, avec la connexion qui déconne, tu vas donner, tu vas attendre la réponse, la personne ne répond pas et puis ça casse vraiment. Donc, s'il vous plaît, merci pour la bonne compréhension. Ici, je vais vous donner des numéros pour des personnes qui seront localisées. Il y aura un numéro pour des personnes localisées. Il y aura un numéro pour les appels. Il y aura un deuxième pour les appels, je ne sais pas, des appels normaux. Un deuxième numéro pour des appels WhatsApp. Donc, je reprends. Un premier numéro pour des appels normaux. Un deuxième numéro pour des appels WhatsApp. Donc, le premier numéro, vous allez appeler. Mais le deuxième numéro là, c'est pour les appels WhatsApp. Donc, un premier numéro, si vous n'avez pas WhatsApp, vous êtes localisé, vous pouvez appeler sur ce numéro-là. Donc, on me signale ici qu'il y a un problème de connexion. Merci de bien vouloir partager. Nous sommes déjà là, plus de 500 personnes partageant, atteignant le plus grand nombre de personnes. Donc, j'ai dit un numéro, voilà. Un numéro pour des appels normaux, si vous allez appeler. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous avez juste votre puce, vous pouvez appeler, peu importe le pays dans lequel vous êtes, si et seulement si on vous a localisé. Un deuxième numéro, c'est pour des appels WhatsApp. Certainement, il y a des personnes qui n'ont pas de crédit, mais elles ont un Wi-Fi chez elles, elles pourront appeler par le numéro WhatsApp. OK. Deuxièmement, je vais vous donner le numéro des enregistrements pour la prochaine réception. Je crois que je vais terminer le programme dimanche, c'est ça? Dimanche, dans la semaine prochaine, je vais commencer les réceptions. Je vais commencer les réceptions parce qu'en ce moment, il y a plus de 3 000 personnes enregistrées sur les listes. Il y a 3 000 combien? 3 100 Voilà. Plus de 3 200 personnes enregistrées sur les listes qui veulent rien que rencontrer le prophète Emmanuel et parler avec lui. Donc, nous allons mettre encore une autre liste. Une autre liste sera là en place pour des personnes qui souhaitent, pour des personnes qui veulent rencontrer le prophète que je suis. Vous avez un problème, vous avez une difficulté. Assurément, le prophète ne dira pas tout là. Il y a des choses qu'il pourra dire là en haut pour votre notoriété, pour votre personne. Il y a des choses aussi qu'il pourra vous dire en profondeur. Et ça demande à être dans le secret. Donc, je mettrai ici un numéro pour des personnes qui veulent s'enregistrer pour des prochaines réceptions. Mais la seule condition pour s'enregistrer, un, il faut déjà être sur le plan national, donc au Gabon ici, parce que pour le moment, je ne prends pas des réceptions internationales, je prends seulement les réceptions sur le plan national. Donc, vous êtes au Gabon ici, vous voulez être reçu par le prophète, nous allons mettre à votre disposition un numéro. Ce numéro-là va vous conduire à l'église, parce que c'est à l'église que vous allez aller vous faire enregistrer, notamment à partir de la semaine prochaine. Vous irez vous faire enregistrer. Pardon. OK. Vous allez vous faire enregistrer par ce numéro-là. Donc, nous allons vous donner le numéro. Vous allez vous faire enregistrer par ce numéro. Si vous voulez, comment dirais-je, être en contact avec moi, vous voulez faire partie des futures personnes qui seront reçues par le prophète, on va mettre un numéro. Vous allez aller à l'église. Et vous allez vous enregistrer rapidement. Enregistrez-vous rapidement. Je vais vous recevoir au mois de novembre, parce que novembre, décembre, je serai par la grâce de Dieu dans les réceptions. On ne sait pas ce que les autres mois nous réservent. Avoir déjà la tendance sanitaire, on ne souhaite pas, mais vu un peu les statistiques, je crois qu'on est un peu en train de décliner vers. Une seconde vague, ou encore une deuxième vague de contamination, ou encore de Covid au niveau du Gabon. Certainement, il se peut que dans 2 matins comme ça, on nous annonce, OK, vous êtes reconfiné à nouveau et on n'aura plus ce temps-là, on n'aura plus cette opportunité. Donc, je voulais vraiment profiter. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Là où nous sommes, si vous me permettez, nous pouvons élever nos voix, prier et remettre à Dieu ce temps. J'ai besoin que quelqu'un soit localisé ce soir afin que sa vie soit transformée et changée radicalement. J'ai besoin que quelqu'un soit transformé ce soir
afin que sa vie soit changée radicalement. Alors, je vais prier et ensuite je vais rentrer dans les services prophétiques. Je mettrai des numéros que je vous ai cités ici et nous allons glorifier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Seigneur, que puis-je te dire? Lorsque je vois, il y a de cela quelques heures, j'étais dans cette convalescence et je réfléchissais comment venir devant ton peuple ce soir, m'adresser à eux. Et qu'aujourd'hui, je me sens en toute forme, en toute sécurité, en bonne santé. Je ne peux que t'élever et te donner toute la gloire. Seigneur Père, je te bénis pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ici, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Seigneur, au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que tu nous accordes la sagesse de ton esprit. Nous prions que tu nous accordes le discernement, l'humilité et surtout encore beaucoup de patience. Oui, Seigneur, car nous nous attendons à ce que tu nous parles. Il y a tellement de personnes, nous avons besoin que tu nous parles. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne nous parleras pas tous le même jour. Alors que les personnes que tu as prévu parler ce soir, que ces personnes-là, Seigneur Père, puissent recevoir premièrement ton Fils Jésus dans leur cœur, que leur vie soit changée et transformée radicalement. Je t'élève, je t'éloue, c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, j'ai dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ok, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Encore nous pouvons partager. J'attends que nous dépassons rapidement les 600 personnes et je commence. Ok, j'attends que nous dépassons rapidement et je commence. Partageons. Je veux voir des commentaires. Si vous êtes là, en voyant des commentaires que je peux commencer à naviguer. Tu peux écrire en commentaire, prophète navigue. Et tu peux le dire en commentaire, prophète navigue. Prophète navigue, navigue, navigue ou encore. Navigation prophétique. Ok, rapidement, atteignons le voilà. Oh, il y a un problème de connexion. Merci d'appuyer sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Appuyons des cœurs. Merci de bien vouloir partager ce live. Oh, je n'arrive pas à partager ce mois, je ne sais pas pourquoi. Merci de bien vouloir partager le live. Partagez à tous vos amis, partagez à vos bien-aimés. Nous partageons le live. Ok, merci de bien vouloir partager. Gloire à Dieu, nous partageons. Pendant que nous partageons, nous pouvons sauver des milliers de personnes ce soir. Tu vois au bas de ton écran, du côté gauche, tu peux cliquer sur partager. Va sur partager avec tes amis, partager avec tes bien-aimés. Alors, je vois des commentaires ici, ouais, David et Jésus qui dit partageons le live. Alors, faites comme lui, partagez dans tous vos groupes. Partageons. Ok, j'attends que nous atteignions le plus grand nombre de personnes afin que je commence ces instants. Nous pouvons partager. Gloire à Dieu. Waouh. Ce soir, tu dois partager dans 100 groupes. Est-ce que tu as partagé dans 100 groupes? Partage dans 100 groupes, partage avec des amis. Partage avec des amis. Alors, très chers frères et selon le Seigneur, le monde est en train de courir à sa fin. Et Jésus-Christ de Nazareth, précurseur des signes apocalyptiques, pouvait nous dire ceci, que dans ces derniers temps aussi, mes brebis entendront ma voix. Et ils suivront ma voix. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que les brebis entendront-ils la voix de Dieu? S'ils ne savent pas différencier cette voix à celle du monde, de ce monde profane ou encore à celle de l'homme. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est arrivé aussi où, pendant que
Le monde est en train d'aller à sa fin. Il n'y aura pas seulement que des mauvais signes, il n'y aura pas seulement que l'apostasie, mais il y aura aussi un très grand réveil qui embrassera la terre. Et c'est ce réveil qu'on appelle le réveil prophétique. Dans ce réveil prophétique, il y aura des dons, des révélations puissantes. Le Seigneur parlera. Le Seigneur parlera avec authenticité. Le Seigneur fera des miracles et il restaurera des vies. Nous sommes au temps où le Seigneur veut parler à ses prébis. Parce que nous sommes dans une heure là où il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix confondues. Il y a beaucoup de religions. Il y a la fausse religion. Et Christ même pouvait nous avertir sur l'arrivée de l'antéchrist. Et du coup, à un moment donné, les chrétiens sont perdus. Les chrétiens, au-delà de la Bible qu'ils sont dans leurs mains, au-delà des prédications qu'ils écoutent, au-delà des prières qu'on peut les faire, ils ont besoin de rentrer dans cette intimité-là. Ils ont besoin aussi que ce Créateur-là puisse leur parler. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à un temps prophétique où le Seigneur veut parler à des vies. Nous sommes à un temps où le Seigneur veut donner des orientations prophétiques à des personnes. Ce temps prophétique est l'un des temps les plus dangereux de l'Église. Je réponds, est l'un des temps les plus dangereux de l'Église. À quel sens? Au sens où si l'Église rate le prophétique, l'Église a raté sa mission. Et lorsque j'ai prié aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me disait, prophète, le peuple là, ils ont besoin d'entendre ma voix. Le peuple a besoin. À un moment donné, il arrive parfois que nous sommes fatigués des versets bibliques tous les jours. On nous prêche, les versets bibliques sont là, mais on a les mêmes problèmes, on a les mêmes maladies. Parfois, on nous prêche, on a besoin d'entendre quelque chose d'autre, hormis les prédications qu'on écoute. On a besoin d'entendre quelque chose d'autre, hormis Rabbi Boshi, hormis les sensations, hormis le sensationnel. On a besoin d'entendre quelque chose d'autre. On a besoin d'être orienté. On a besoin d'avoir l'approbation, encore la vie de Dieu sur nos décisions. On a besoin de comprendre la volonté de Dieu. Comment nous allons comprendre ces choses si on se limite juste à ouvrir notre Bible et la lire? Très chers frères, lire la Bible est bien, mais vous devez comprendre que la Bible est dans un contexte général. Parce que la Bible parle de manière générale. Or que la voix de Dieu qui t'est adressée était adressée de manière individuelle. La Bible déclare au temps d'Élie, le sacrificateur et Samuel, la Bible déclare que la parole de l'Éternel, c'est-à-dire la voix de Dieu était rare en ce temps. Mais cependant, il y avait la Bible dans le temple, il y avait la loi, il y avait le rouleau. Malgré qu'il y avait le rouleau, malgré qu'il y avait les versets bibliques, malgré qu'il y avait le décalogue, mais cependant, la voix de l'Éternel, autrement dit encore, la parole de l'Éternel était... Oh, maleprobaï sakaleva antolahiyahaza. La voix de l'Éternel était rare en ce temps, malgré qu'il y avait des Bibles, mais au-delà des Bibles, on avait besoin aussi d'une voix qui pouvait nous parler d'une manière audible, qui pouvait nous orienter. Et la Bible déclare que Dieu va aller se révéler de manière audible à un jeune homme qui est en train de dormir dans le temple. Pourquoi Dieu n'est pas passé par la Bible pour lui parler? Pourquoi? Oh, pour lui parler plutôt. Pourquoi Dieu n'est pas passé par la Bible pour lui dire, Samuel, c'est toi qui seras comme ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme cela. Écoute, dans la Bible, on connaît l'histoire de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On connaît l'histoire de Marie. On connaît l'histoire de Marthe. Mais on ne connaît pas l'histoire de Osmel, Massica. On ne connaît pas l'histoire de Mélodie. On ne connaît pas l'histoire de Pile of Jesus. La Bible est le rassemblement de plusieurs histoires que Dieu a eu avec des hommes qui nous servent ici de foi, qui nous servent de boussole, en fait de booster notre foi pour aller de l'avant. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis sur le point de vous annoncer ce soir, de la même manière qu'on a écrit Abraham, de la même manière qu'on a écrit avec Esther, c'est de cette même manière que dans ce temps présent, on écrira avec toi, parce que ce qui va être annoncé ce soir est sur le point de t'amener dans une autre dimension, et sur le plan et de catapulter ta destinée prophétique, et sur le point, my God, de confondre tes ennemis et de confondre tes adversaires. Ce soir, je viens avec la voix de Dieu. Ce soir, je viens avec la pensée de Dieu pour une femme. Je viens avec la pensée de Dieu pour un pasteur. Je viens avec la pensée de Dieu pour un prophète. Dieu a destiné dans ce temps de se révéler à toi et de te faire passer d'un niveau à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire accélère, prophète?
dans un don où il y a plusieurs voies. La médecine a sa voix, la politique a sa voix, l'économie a sa voix. Il y a plusieurs pronostics comme ça qui sont faits dans la société. Et lorsque nous pouvons, par exemple, aller dans les pronostics médicaux, lorsqu'on voit ce que les médecins annoncent à quelqu'un, on se dit que c'est terminé comme ça. Mais écoute, il y a encore une voix, il y a encore une voix. Et cette voix, c'est la voix de l'Éternel. Lorsqu'elle vient, elle vient faire taire toutes les voix qui s'élèvent. Souvenez-vous de la femme adultère qui était poursuivie par des pharisiens. Elle déclare que lorsque cette femme va venir devant Jésus, Jésus va élever sa voix, va se tourner devant les pharisiens qui étaient là et va dire que celui-là qui reconnaît qu'il n'a pas de péché commence à jeter la première pierre sur cette dame. Lorsque la voix de Dieu s'élève, la voix des hommes s'éteint. Et je suis venu avec un mandat. Dieu m'a donné deux missions. Dieu m'a donné deux missions. Dieu m'a donné deux missions. Il m'a dit, dans ce programme, tu dois beaucoup prier pour des personnes qui ont des problèmes, des maladies, et des personnes qui sont malades, parce que la maladie est un problème. Tu dois prier pour des personnes qui sont malades. Il m'a dit, il y a beaucoup de malades. Il y a des personnes qui ont des documents comme ça là, des documents de la médecine dans leur champ. Il y a des personnes qui sont très gravement malades à cet instant. Il y a des personnes qui sont atteintes des AVC, il y a des personnes qui sont atteintes des cancers, il y a des personnes qui sont atteintes des ulcères violents, il y a des personnes qui sont atteintes des maux de tête, oh my God, terrible. Il y a des personnes qui n'ont plus espoir, il y a des personnes qui sont en train de compter leurs jours. Et assurément, même il y a quelqu'un qui me suit, tu es sur ton lit de l'hôpital. Écoute-moi, Dieu m'a envoyé vers toi. Il m'a dit, ma première mission, c'est sur ceux qui sont malades, les personnes qui sont malades. Deuxièmement, il m'a parlé d'une catégorie de personnes qui font face, il y a des personnes plutôt qui font face à des problèmes financiers en ce moment. Donc l'Esprit de Dieu m'a donné le mandat de prier pour des malades et de prier pour la restauration financière. Il y a des personnes qui sont beaucoup attaquées sur le plan financier. Il y a des personnes dont leurs projets sont arrêtés parce qu'elles n'ont pas assez de finances. Il y a des personnes qui ont besoin de financer leurs projets. Il y a des personnes qui ont besoin d'acheter un terrain et de pouvoir construire sur ce terrain. Il y a même d'autres personnes là qui sont là, elles ont de l'argent bloqué quelque part. Mais cependant, elles n'arrivent pas à débloquer ces sous. L'Esprit de Dieu m'a envoyé chez vous. Je réponds. L'Esprit de Dieu m'a envoyé chez vous. Il m'a dit de vous dire que les malades seront guéris. Ah! Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il m'a dit de vous dire que les problèmes de finances seront restaurés ce soir. Je décrète et je prophétise dans la vie de plus de 100 personnes qui partagent ce live. J'annonce au nom de Jésus, vous êtes malade. À cet instant, waouh, à cet instant, j'ai fait un service il y a de cela 3 jours en arrière. J'ai prié avec des bouteilles d'eau. Et pendant que j'ai prié, il y a une dame qui va appeler. Je crois qu'elle est connectée ici. Elle va appeler ce soir le pasteur. Et lorsqu'elle va appeler le pasteur Pissam, elle va dire, pasteur, voici, j'ai été guéri. Je crois que c'était un problème des trompes. Les trompes étaient bouchées. Elle va dire, pasteur, j'ai été guéri. Rien que par la prière, rien que par la déclaration prophétique de l'homme de Dieu à distance. Je suis sur le point de t'annoncer ce soir. Je viens avec une onction de miracle. Je viens avec une onction de restauration. Je viens avec une onction qui doit t'amener, toi qui as des problèmes de finances, à pouvoir avoir ces finances-là maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? J'ai parlé de combien de missions? J'ai parlé de deux missions. Quelle est la première mission? La guérison. La guérison. Répète encore. La guérison. La guérison. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus. Partout où tu es malade, reçois la guérison. Partout où tu as un problème, reçois la guérison. Je décrète au nom de Jésus pour une femme, pour un homme ici qui est malade, qui est malade. À cet instant, lève-toi là où tu es. Même si tu n'arrivais pas à marcher,
Je t'ai dit, lève-toi, lève-toi. Jésus n'a pas cherché à négocier avec ceux qui avaient embaumé Lazare. Jésus n'a pas cherché à négocier avec les parents de Lazare. Il a juste dit, amenez-moi chez Lazare là-bas. Amenez-moi où vous avez enterré Lazare. Écoute-moi, je ne peux pas négocier là où tu es. Même si on a mis le plâtre, je ne veux pas négocier avec la médecine. Même si tu es un appareil d'assistance, je ne veux pas négocier. Ce que je veux juste te dire, c'est que je viens te donner une instruction. C'est un ordre, tu dois le faire maintenant. Si tu es malade, lève-toi. Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre. Lève-toi et sois guéri. Si tu as un problème, lève-toi maintenant. Jésus s'est levé, il est allé devant Lazare. Il a crié, Lazare, sort. Il a crié, Lazare, sort. Il a crié, Lazare, sort. Il n'a pas négocié. Il n'a pas signé un document. Mon Dieu ne signe pas de documents. Mon Dieu ne négocie pas. Mon Dieu n'est pas limité dans la science. Mon Dieu est dans sa parole. Je décrète et je déclare, partout là où tu es, partout là où tu partages ce live, je décrète que tu es malade. Reçois la guérison. Je dis reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Si ta maladie était liée à un démon, ta maladie était liée à un homme de nuit, à une femme de nuit, je décrète et je prophétise par ton amen. Tu es libéré au nom de Jésus. La délivrance vient jusqu'à toi. La délivrance vient jusqu'à toi. Partout là où tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui me suit ici. Tu me suis depuis la France. Tu me suis depuis les États-Unis. Tu me suis depuis le Canada. Tu me suis depuis le Maroc. Pendant que tu partages ce live. Waouh, 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 waouh. Oh, 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 c'est grave. Pasteur, c'est grave. Pasteur, c'est grave. Je répète, pasteur, c'est grave. Pasteur, c'est grave. Lorsque la voix de Dieu est relâchée, même les sépulcres commencent à trembler et à bouger. Lorsque la voix... Oh, mais c'est krabaligos talaraya. Rakoso plebe ezakalara la villa. Rapose kere mahaya. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de me dire... Il y a des personnes dont on a enterré leur santé. Hein, pasteur? Il y a des personnes dont on a enterré leur santé. Regarde, elle dort, mais lorsqu'elle se réveille, elle a toujours des douleurs au niveau du dos. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas que tu es chargé au niveau du travail. C'est parce que quelque part, on a déjà attaqué ta santé sur le plan spirituel. Lorsqu'on veut faire de toi un esclave ou une esclave, la sorcellerie, on peut relâcher des démons contre toi. Des démons de maladie qui doivent te faire tomber malade pour t'amener à dépenser. L'argent que tu avais caché pour construire, l'argent que tu avais caché pour mettre en place une structure, tu prends encore cet argent pour aller dépenser à l'hôpital. Je décrète et je prophétise. Pour tout là où tu as dit amen. Amen. La première personne qui se lève chez le sel et dit amen, je décrète au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu ne dépenseras plus pour une maladie. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tu ne dépenseras plus pour une maladie. Tu ne dépenseras plus pour une maladie. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a des personnes dont la santé a été enterrée. Est-ce que tu entends, pasteur? Il y a des personnes dont la santé a été enterrée. Malgré tout ce qu'elle fait sur le plan médical, les examens qu'elle fait, les bilans que tu fais, mais tu es toujours malade. Et même cette maladie est en train d'aller toucher tes enfants. C'est-à-dire, vous avez les mêmes maladies dans la famille. C'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. L'Esprit de Dieu m'a donné le mandat de venir vers toi et de relâcher la guérison là où tu es. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi maintenant. Tu es guéri. Yes. Est-ce que tu sais que tu es guéri? Dis amen, pasteur. Amen. Tu es guéri là où tu es. Maintenant, tu es guéri. Amen. Tu avais l'estomac. Pose la main. Pose la main. Pose la main à ta poitrine. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Pose la main. Tu étais paralysé, tu étais victime d'un AVC. Pose la main le côté qui est paralysé. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare Amen. Que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. 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 Tu as la prostate. Yes. Tu me suis ici. Certainement ton mari a la prostate. Ton mari a des problèmes des reins. Ton mari a l'infection pulmonaire.
Il a un problème grave. Je décrète et je prophétise. By fire, by blood. Partout où vous êtes, recevez la guérison. Même s'il n'est pas là, tu peux poser la main là où il est malade. Tu peux poser la main là où il est malade. And then we name the clean of the heat of the hula hula host. Provide and shen can can la. Likavara y fara se clara. Ma se ke te va azo haya. Le clova y se ke de va aza. Ma clova a se ke de va az. Le clobo si baha y tavalega. Mando se tempayanta la haya bala. On tenanko, mais se clébot. En fleque de baradicos da praia. Malgré le rostro praia la raza. Je me demande de prier pour quelqu'un qui atteint de la tension. Je décrète au nom de Jésus. Tension oculaire, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu ne comprends pas. À chaque fois que tu pars à l'hôpital, on dit que tu as 24 de tension. À chaque fois que tu pars, on dit que tu as un problème de tension. La tension est élevée. Je décrète au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, tu peux appuyer de cœur. Partout là où il y a une maladie sur toi, au nom puissant de Jésus, pendant que tu partages ce live, je décrète que la maladie là te quitte. Amen. La maladie là te quitte au nom de Jésus. Amen. La maladie là te quitte au nom de Jésus. Amen. La maladie là te quitte au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous partagez ce live, à partir de 800, je rentre dans les services prophétiques. Nous partageons ce live. Nous partageons ce live. Je décrète et je déclare. Amen. La maladie la te quitte. La maladie la te quitte. Amen. Je parle à une femme ici. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est comme si la nuit, un homme était passé sur toi. Hey! Hey! Et pourtant, tu vis la sanctification. Et pourtant, tu es calme. Et pourtant, tu es tranquille. Mais la nuit, là, il y a quelqu'un qui vient briser ta sanctification, là. La sœur, le frère, cette personne-là est appelée une femme ou un mari de nuit. Et c'est cette personne-là qui est à l'origine des maladies que tu as au niveau de ton bas-ventre. Tu es une jeune dame, mais tu as des problèmes, des règles douloureuses. Tu n'as pas encore enfanté, mais tu as des myomes, tu as des kystes, tu as des fibromes. C'est dans ton ventre. Et tu as tellement mal. Je ne suis pas une femme pour supporter, mais je crois que ça fait tellement mal. Je décrète et je prophétise par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu étais victime de cette attaque, je décrète que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Amen. Je déclare que tu es libéré. Amen. Partout là où tu as dit amen. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je prophétise. Oh, yes. Partout là où il y a une emprise diabolique, tu es une femme. Pose la main au niveau de ton bas-ventre. Pose la main. Pose la main. Wow, pose la main. Wow. Pose la main. My God. Pose la main. Pose la main. Partout là où tu es victime d'une emprise diabolique au niveau de ton bas-ventre, je déclare au nom de Jésus. Amen. Tu as des myomes. Pourquoi est-ce que la majorité des femmes sont victimes de ces phénomènes-là? Les myomes, les kystes, les fibromes, problèmes de trompe, problèmes de conception. J'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois la guérison miracle au nom de Jésus. Amen. Reçois le miracle. Amen. Partout là où tu es. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Tu me suis au Maroc. Amen. Reçois. Amen. Canada. Amen. Reçois. Amen. Partout là où tu es. Amen. Reçois. Amen. Ta guérison. Amen. Ta libération. Amen. Reçois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Partout là où tu es victime. Oh, yes. De ces maladies. Oh, yes. Myon. Oh, yes. Kiss. Oh, yes. Fibon. Oh, yes. Je décrète. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Partout là où tu es. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Reçois, 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 reçois. Amen. Reçois, 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 reçois. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, Amen. J'ouvre maintenant ce programme. Amen. Avec ta guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la guérison. Amen. Le Saint-Esprit vient de restaurer ton appareil génital qui était touché. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prophétiser pour une deuxième catégorie de personnes. Ceux qui ont des problèmes de finances. Vous avez des problèmes de finances. Je veux vous voir en commentaire ici. Je veux vous voir en commentaire. Tu as l'impression
que tout ce que tu fais n'avance pas. Tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. À chaque fois, tu dois avoir une petite entrée. Cette entrée-là doit aller dans les dépenses, parfois inutiles. Tu as l'impression que ton train de vie est tellement plus actif que tes revenus. Tu as des grandes charges avec toi. Tu as des grandes responsabilités avec toi. Et depuis quelques mois, tu as l'impression que ton salaire est touché. Tu as l'impression que tu n'arrives plus à jouir de ton salaire. Tu ne peux même plus faire des épargnes. Il y a un esprit qui s'attaque aux finances. Cet esprit est appelé l'esprit maman. Le but de cet esprit, c'est d'appauvrir le chrétien. Afin que le chrétien soit toujours esclave derrière le païen, derrière celui-là qui n'a pas le Dieu qu'il prie. L'esprit de Dieu, oh my God. Oh, les yeux commencent à s'ouvrir. Partageons rapidement. My God. L'esprit, oh, l'ekroba chapalarayaba. Mekrebo sapaligas. Ça a commencé. Je demande aux techniciens, hein, je vais commencer maintenant, soyez prêts. Je vais commencer. Techniciens, soyez prêts, je vais vous donner des numéros et nous allons les mettre ici. Macha payandeleos. Ifrikantu chaplade. Kisu chaplade. Liklabo sobladige soplayadai. Maklako shiko plate. Liplado shaindo susuplayende. Siklamando siklamanande. Siklavainde siklabadage. Laisse clé bots et ne mehe de vahaika. Siklufatache. Tita tu fadadesh. Madrigadi goshade. Madrigadi goshade. Madrigadi gosh. Madadi gosha padadade. Masagadige padabadadige. Sukamande sushayande. Repato shabade. Repato padade shadaya. Masukle patote shadabayata. Rakos enemene fere andayahada. Enemene entandolo commentere aja. Kripo shakala palegeso. Ika mosta traifa aza. Liso saitre eso kaifa aza. Meso ke palaika lava a. Rakusha a masse keneba. Rakose eve eso kalibaza. Messe se cleva anto. Rakopa a japai antele. Aza rekezo fai de negosa e manda e mando lo shai krava e sheken kalama az rabosi kabaya. Wow, l'esprit de Dieu a commencé à me donner des visions ici. L'esprit de Dieu a commencé à me donner des visions, mais j'aimerais rapidement prier. Wow, partageons le live. Partageons le live. Partageons le live. My God. Partageons le live. Partageons le live. Rapidement. Partageons. Ok. Je décrète et je prophétise sur toutes les personnes qui ont des problèmes de finances. Là où vous êtes à partir de ce soir, je décrète la libération financière. Amen. Par la foi, tu as un billet de 10 000, donne-le sur ta main. Un billet de 10 000, donne-le sur ta main. Donne-le sur ta main. Et je décrète au nom de Jésus. Partout là où tu as des problèmes au niveau des finances. Reçois la restauration financière. Je dis reçois. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète partout des finances étaient attaquées. Pendant que je pose ma main sur mon portable, je
décrète la restauration financière. Que Dieu t'ouvre des portes. Tu as des projets. Reçois la main de Dieu sur toi par la puissance du nom de Jésus. Partout où tes finances étaient bloquées, étaient limitées, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Wow, tu peux dire c'est fait. Tu peux dire c'est fait. Tu peux dire c'est fait. Majakabali host. Tu peux dire c'est fait. Tu peux dire c'est fait. Merci Seigneur. Je suis prêt. J'attends maintenant que nous atteignions le plus grand nombre de partages. Nous allons rentrer maintenant dans des révélations prophétiques. Atteignons maintenant le plus grand nombre de partages. C'est fait. Waouh, dis c'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Pasteur, c'est bizarre. Je vois, c'est obligatoire que Dieu doit bénir quelqu'un. Il y a des femmes d'impact qui me suivent dans ce live. Il y a des femmes d'impact. Il y a des femmes qui ont des projets d'ouvrir des orphelinats. Il y a des femmes qui ont des projets d'impacter la société. Où vous êtes, Dieu vient d'exaucer votre prière. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète, là où tu es connecté à cette parole, waouh. Tu es connecté à cette parole. Dis au nom de Jésus, c'est fait. Tu avais des problèmes de finances, c'est fait au nom de Jésus. C'est fait. J'avais des problèmes de finances, c'est fait au nom de Jésus. Waouh, c'est fait au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la main de Dieu sur toi au nom de Jésus. Pasteur, il y a une dame qui me suit. La dame, il y a de cela quelques jours, elle a quitté une ville. Je vois une personne quitter la ville de Mwanda, venir au niveau de Libreville. Hein? Amen. Je vois dans mon esprit, oh my God, attends. Attends. Waouh. Waouh, 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 c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je vois la personne quitter la ville de Mwanda, hein? Amen. Et venir ici au niveau de Libreville. Je vois cette dame. Elle a un mari, mais le mari, le nom du mari commence par B-L-A-I-S-E. Ça donne quoi? B-L-A-I-S-E. Blaise. Je vois la dame, son mari s'appelle Blaise. Elle est ici. Tu quittes de Mwanda, mais ton mari s'appelle Blaise. Plus précisément, Lepanga Blaise. Tu es ici. Oh my God. Tu me suis. Je suis dans les services prophétiques. Yes. Tu reviens d'une ville au niveau de Mwanda et ton mari s'appelle Lepanga Blaise. Si tu es là, prononce-toi dans les commentaires rapidement. 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 L'Esprit de Dieu me montre un esprit de mort sur cette personne. Je reprends. L'Esprit de Dieu me montre un esprit de mort sur cette personne. Je décrète sur les 100 premières personnes qui partagent ce live. Wow. C'est-à-dire, partager seulement. Si tu as partagé dans 100 groupes pleins, tu viens dire, prophète, j'ai partagé, on va te localiser. Yes. Est-ce que la personne est là? La personne, elle a fait un déplacement du côté, elle a quitté comme Amanda pour venir. Mais son mari porte le nom de Blaise. Si tu es là rapidement, prononce-toi. Je suis en train de voir un esprit de mort arriver sur cette personne. Je lis des commentaires. Je vois un esprit de mort arriver sur cette personne. Si tu es là rapidement, prononce-toi. Parce que Dieu veut épargner la personne. Dieu veut toucher la personne. Parce que cette personne fait face à un problème. Lisez les commentaires. Et je demande maintenant à ma communication, si la personne est là,
la personne se reconnaît. Je répète, je ne reçois que des appels des personnes qui sont localisées. Si tu n'as pas été localisé, please, n'appelle pas. N'appelle pas. Je vois une dame ici qui porte le nom de Thérèse. Thérèse Nsam. Madame Thérèse Nsam, préparez-vous. Je ne sais pas. C'est la première fois que je vous vois même dans l'un de mes directs. Mais préparez-vous. Mon esprit est ouvert sur vous. Je mets le numéro. Si la dame qui a le mari au nom de Blaise est là, la dame va appeler rapidement. Le numéro que je mets, s'il vous plaît, c'est rien que pour des personnes qu'on demande d'appeler. Si on ne vous a pas demandé d'appeler, je répète, s'il vous plaît, n'appelez pas. Si on ne vous a pas demandé d'appeler, s'il vous plaît, n'appelez pas. Merci. Alors, je demande à l'équipe de communication d'épingler ce numéro. 062. Ah, c'est pour des appels, si vous voulez appeler de manière normale. 062 66 48 36. Que la communication épingle ce numéro. 062 66 48 36. Ne peut qu'appeler sur ce numéro des personnes qui ont été localisées, des personnes qu'on localise. Si on vous a localisé, appelez sur le numéro. Si on ne vous a pas localisé, please, veuillez patienter votre tour. On va vous localiser et vous allez appeler. Le live est déjà signalé, c'est pourquoi on vous demande d'appuyer sur des cœurs et de partager. Partageons. Donc voici le numéro. Ça, c'est le numéro pour les appels normaux. Donc le 062 66 48 36. Je reprends. 062 66 48 36. Ça, c'est pour des personnes qui ont été localisées, des personnes que je viens à peine de citer leur nom là. Si ces personnes sont là, elles peuvent appeler de manière normale par ce numéro. Donc, j'ai parlé ici d'une dame. Je vois cette dame quitter au niveau de Mwanda, mais la dame a un mari. Le mari porte le nom de Blaise. Blaise. Plus précisément, les Panga Blaise. L'Esprit de Dieu révèle un esprit de mort sur lui. Alors, si la dame est là rapidement, oh, s'il vous plaît, partagez rapidement. Partageons. Nous rentrons maintenant. Partageons. Nous sommes en train de dépasser les centaines de personnes. Nous rentrons dans les milliers de personnes. Partageons. Ok, donc, je reprends. Ah, c'est pour des appels normaux. 062 66 48 36. Pour des appels WhatsApp. Pour des personnes qui veulent appeler. Si vous n'avez pas de crédit et vous voulez appeler sur WhatsApp, prenez le 077 77 91 81. 077 77 91 81. Je reprends. 077 77 91 81. 077 77 91 81. Ok. 077 77 91 81. Ah, c'est pour des appels WhatsApp. Mais si tu veux appeler normalement, tu partages plus. Ne peut qu'appeler, je reprends, ce qu'on a demandé d'appeler. Si on ne vous a pas demandé d'appeler, attendez. Vous devez juste vous manifester ici dans les commentaires. Alors, permettez-moi rapidement de vérifier le temps d'attendre les appels. Il y a une dame qui a été localisée au nom de qui? Sam, hein? Sam. Yes. Si elle est là, elle peut appeler rapidement. Et là, nous lançons maintenant dans le service prophétique. Rapidement. Je vois des commentaires. Je vais juste prendre des personnes qui partagent cela. Si tu as partagé dans plus de 100 groupes, dis prophète, j'ai partagé. Pourquoi nous devons partager ce live? C'est pour toucher le plus grand nombre de personnes. Permettez-moi de vérifier. Nous sommes à combien de partages? Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Ok, est-ce que la communication a déjà épinglé le numéro? Ok, veuillez épingler le numéro. Nous commençons maintenant.
Nous commençons maintenant. Qui a partagé? Je vois, j'ai partagé. Les amis, partageons vivant, partageons. Partageons le live. C'est le temps de la localisation. Là, vous allez voir comment les vues vont monter. Ça va monter. Mais on prêche là. Et seulement, vous voyez, c'est 800, 700. Mais quand on va commencer à parler, il y a tant. Hey, ça monte. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance et ta fidélité. Ok, il y a quelqu'un qui écrit un message ici. Je reprends. Ne peut qu'appeler des personnes qui ont été localisées. Ça commence, hein? La personne n'a pas été localisée, la personne appelle. Partageons le live. Partageons le live. Gloire à Dieu. Est-ce que Madame Sam est là? Si Madame Sam est là, elle peut rapidement appeler. Elle peut appeler. Parce que là, nous allons décoller. L'avion a décollé là. C'est parti. Bon, je vais aussi donner les prophéties comme ça. Hein, pour des personnes qui sont là, je vais donner des prophéties. Vous êtes là, manifestez-vous, partagez. Partagez. Nous sommes à combien de partages? Ok, nous pouvons partager, atteindre le plus grand nombre de personnes. Nous partageons. Qui a partagé? Si tu as partagé, dis prophète, j'ai partagé. Si tu as partagé, dis prophète, j'ai partagé. Dieu va vous faire grâce. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire dans votre vie ce soir. Ok, nous attendons les appels. Pendant que nous patientons sur des appels, est-ce que les numéros ont été épinglés? Rapidement, nous vérifions. Ok, je suis dans une autre ville et mes techniciens sont dans une autre ville, donc nous travaillons par le biais des médias. Mais nous bénissons le Seigneur. Ok. Gloire à Dieu. Merci de partager. Nous pouvons toujours partager le live. Atteignons le plus grand nombre de personnes, partageons avec des amis, partageons avec des bien-aimés, partageons. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, je vois quelqu'un qui dit si j'ai partagé. Prophète, j'ai partagé. Oh, merci Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de partager ce live. Wow, que Dieu vous bénisse. Ok. Ici, là, sur les personnes qui sont connectées ici, l'Esprit de Dieu me parle. Il y a de cela 4 ans, tu es ici. Et dans mon esprit, je suis en train de voir. Il y a de cela 4 ans, tu as perdu l'une de tes nièces au niveau. Il y a eu une mort comme ça, mais c'était dans le cadre familial, l'une des nièces au niveau du Cameroun. La nièce portait le nom de Mamou. Cette nièce est morte du côté du Cameroun. Les appels ont commencé. Du côté du Cameroun. Je parle d'une certaine Mamou qui est morte du côté du Cameroun, mais il y a de cela 4 ans en arrière. Elle fut l'une. Voilà. Elle fut l'une de tes nièces. Je suis en train de regarder sur en même temps les commentaires. Hein? Donc si tu es là, tu peux appeler sur le numéro que la. Est-ce qu'ils ont déjà épinglé les numéros? Merci d'épingler les numéros communication. Veuillez vérifier là-bas. D'accord. Veuillez appeler, demander s'ils ont épinglé les numéros, s'il vous plaît. Donc, elle est morte du côté du Cameroun. Il y a de cela 4 ans. Mais elle portait le nom de Mamou. Et je suis en train de voir dans mon esprit que cette mort va entraîner une autre mort. Mais c'est la mort d'une personne au niveau du Cameroun. Et donc, quand je parle du Cameroun, je suis arrêté au niveau des Douala. Je réponds, je parle du Cameroun, je suis arrêté au niveau des Douala.
L'Esprit de Dieu me parle d'une certaine Annick. Il y a une Annick. Et cette Annick vit avec un homme. Cette Annick vit avec un homme. L'Annick va mourir, mais cette Annick vit avec un homme. Si tu es là, il faut rapidement te prononcer. Cette Annick vit avec un homme, mais du côté du Cameroun. Je vérifie les commentaires. Du côté du Cameroun, l'homme porte le nom de Arnold. L'homme porte le nom de Arnold. Je reprends, l'homme porte le nom de Arnold. Elle est liée avec un homme, mais l'homme porte le nom de Arnold. J'entends dans mon esprit un Arnold. Si tu es là, il faut appeler rapidement de là où tu es. Il faut appeler rapidement. L'homme porte le nom de Arnold. Et Dieu veut parler à cette personne. L'homme porte le nom de Arnold. À côté de ce Arnold, je vois comme un T, un A, un Tanguay. Je ne sais pas si je prononce bien. Un Arnold. Un Arnold Tanguay. Alors, si tu es là, rapidement, prononce-toi. Et appelle rapidement, je vais donner le message. Dans mon esprit, je suis en train de voir encore un message sur la vie de quelqu'un. Je vois un message sur la vie de quelqu'un. Il s'agit d'une dame. Ça va filer, hein. Ça va monter vite. Ça va monter très très vite. Ça va monter très très vite. Alors prononcez-vous rapidement. Prononcez-vous rapidement. Si les personnes sont là, les personnes peuvent appeler rapidement. Rapidement, les personnes peuvent appeler. Ok, les numéros sont là. Nous avons donné deux numéros. Un numéro pour les appels WhatsApp. Rien que WhatsApp. C'est le 07. Le 07, c'est pour les appels WhatsApp. C'est bon, c'est déjà mis? Ok, le deuxième numéro, c'est 1062. C'est pour les appels sur le plan, les appels normaux. Donc le 062 66 48 36, c'est pour les appels normaux. Alors, donc les personnes que je localise, si vous êtes là, prière de vous manifester rapidement. Prière de vous manifester rapidement. Il y a tellement de personnes, il y a beaucoup de personnes. Dieu veut parler à beaucoup de personnes. Dieu veut parler à beaucoup de personnes. Je vérifie mon WhatsApp. La dame au nom de Ntsam, Madame Ntsam aussi. Si Madame Tsam est là, Tsam qui? Tsam Thérèse, hein? Ok. Elle peut appeler rapidement. Madame Tsam Thérèse aussi peut appeler. Ok. Est-ce que les personnes sont là? Si ça fait trop de temps, je ne dois plus revenir sur la prophétie, hein? Donc il faut vous manifester rapidement. C'est opération commando. Parce que là, ça va vraiment couler, ça va couler, ça va couler. Ok. Porteur de grâce. Je vois ici un homme porteur de grâce. Je ne sais pas où vous trouvez, mais dans mon esprit, je suis en train de me rendre au niveau des PK. Je suis en train de dépasser PK6. Je m'arrête vers le PK7. Je suis en train de voir, on me présente. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. On me fait voir votre visage et on me dit que cet homme est en train de préparer, il a un grand projet. Et ce projet, c'est un projet de mariage. Je parle de la personne qui vient de m'écrire là, je ne vous connais pas. Ce projet, c'est un projet de mariage. Je reprends, ce projet, c'est un projet de mariage. Je vois ici un nom, Vinciana Angé, tu peux appeler, appelle rapidement. Donc je vois pour cet évangéliste là, un projet de mariage. My God. Mon fils, ça va monter rapidement. Amen. Je vois pour cet évangéliste-là un projet de mariage. Tu es dans un projet, tu veux te marier avec une dame. Cette dame est à côté de toi. Je vois cette dame, elle n'est pas trop grosse. Elle est juste un peu grande de taille. La dame vient de Mwanda. Elle vient de Mwanda, plus précisément au quartier L'Oasis à Mwanda. C'est ce que je suis en train de voir. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il veut...
Aïe, 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 mon fils, ça va monter rapidement, sois prêt. Hein? Amen. Et il confirme le message. Il y a une dame ici, je répète, tu viens de te déplacer, tu étais à Mwanda, tu es arrivé ici. Ton mari s'appelle Blaise, plus précisément Blaise Lepanga. Ton mari, il y a un esprit de mort sur lui. Je suis en train de voir pendant que je parle, la dame en question est en train de prendre son portable pour chercher à appeler. Donc, je réponds. Tu quittes à Mwanda, ton mari s'appelle Blaise. Il y a un esprit de mort sur lui. Si tu es là, appelle rapidement. Je prophétisais encore pour une dame du côté du Cameroun. Oh my God. Yes. Une dame du côté du Cameroun. Je voyais une personne qui était connectée ici, mais qui avait perdu l'une des nièces du côté du Cameroun au nom des Mamou. Yes. Et l'esprit de Dieu me dit que cette mort va entraîner une deuxième mort sur une certaine Sarah. Mais la Sarah là est liée à un certain Arnold. Alors, on va aller rapidement. On me signale ici que les numéros ne sont pas encore épinglés. Donc, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi. On y va rapidement. Ça va aller grave, ça va être grave. Donc, je reviens sur l'évangéliste là. Est-ce qu'il confirme le message? Les brofais, jacala radivost, masapra e kamarazu fais. Waouh. Il confirme le message. Merci de partager. Il y a une certaine dame ici qui dit, okay, c'est bien, Siana, j'appelle, ça passe pas. Ok, le portable est là, madame. Voici votre message. Veuillez appeler. Nous avons donné un numéro ici. Est-ce que le numéro passe là-bas? Le numéro des appels pour les personnes qui veulent appeler, c'est le 062 66 48 36. Ça, ce n'est que des personnes qui ont été localisées. Donc, si vous n'avez pas été localisé, n'appelez pas. Donc, voilà, il y a un appel ici. Je vais prendre. C'est pas possible. Ça passe pas. Ok, je prends. Allô. Allô. Bonsoir, madame. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Qui est-ce? Merci à vous. Ah, c'est Madame Benciana que j'ai demandé d'appeler ici. Oui. Ok, vous allez bien? Oui. Ok. Wow. Est-ce que vous aimez ce qu'on est en vérité? Non. Vous avez déjà parlé avec moi une fois? Jamais. Vous m'avez déjà écrit sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook? Jamais de la vie. Ok. Pendant que je vois, j'ai vu votre nom, Vinciana, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur vous. Et ce que je veux vous parler, je vous prie d'être prête parce que ça va être grave. Ok? Ça va être grave. Excusez-moi, je reprends. Pour des personnes qui sont localisées là et qui veulent appeler, appel WhatsApp, c'est le 077-77-91-81. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi les numéros ne sont pas épinglés jusqu'alors, et pourtant je me répète. Ok, deuxièmement, pour des appels normaux, vous pouvez prendre votre portable, appeler par les appels normaux, c'est le 062 66 48 36. 062 66 48 36. 062 66 48 36. Vous pouvez appeler si vous. Si on vous a localisé, on ne vous a pas localisé, s'il vous plaît, priez de rester, de partager et de dire, prophète, localisez-moi, prophète, localise-moi, prophète, localise-moi. Alors, madame, ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui. Ok, Dieu va vous faire grâce maintenant. Vous comprenez? Oui. Je réponds, Dieu va vous faire grâce maintenant. Pendant que j'ai vu votre nom, l'Esprit de Dieu m'a montré comment vous étiez en train de sortir d'une déception. Est-ce que vous m'entendez? L'Esprit de Dieu m'a montré comment vous sortiez d'une déception sentimentale. Et l'Esprit de Dieu me demande de prier pour vous parce que ce que je suis en train de voir est grave. Il me demande de prier pour vous. Tenez-vous debout où vous êtes.
Ok. Je comprends pourquoi dans mon esprit, vous n'êtes pas en joie parce que je connais le problème que vous voulez que je vous parle. Dans mon esprit, je vois que vous voulez que je vous parle sur la maladie de votre papa. Parce que je vois que votre papa est aveugle. Et pendant que je parle de votre papa aveugle, je suis arrêté depuis, il y a de cela, 2009 en arrière. Oui, c'est cette année. C'est en cette année que ton papa est tombé aveugle. Mais laisse d'abord ça. L'Esprit de Dieu me demande d'abord de parler sur le plan sentimental. D'accord. Je vois dans mon esprit un enfant à côté de toi. Tu es un enfant? Oui, un petit garçon. Tu as un petit garçon. Qui s'appelle M-A-R-C, Marc. Qui s'appelle Marc? Marc, c'est son nom. Oui. Mais je vois dans mon esprit que Anthony, là, c'est le nom de son papa. C'est le nom de son papa, tout à fait. C'est le nom de son papa. Mm-hmm. Son papa que je suis en train de parler ici, il est mannequin. Ouais. Hein? Je suis en train de voir un homme grand de taille, il est brun. Oui, brun métissé. Mm-hmm. Brun métissé. Je vois, il a même des cheveux pendant que je parle. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es toujours avec son papa? Oui, nous sommes ensemble actuellement. Nous sommes aimants. Pardon? Nous sommes ensemble et en ce moment, nous sommes aimants en France, là. Il est à côté de toi actuellement? Il est en bas, oui, je peux la... Ok, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y aura une très grande séparation qui viendra. Est-ce que tu m'entends? Je vois dans mon esprit comment vous êtes en train de vous séparer avec cet homme. Mais pendant que je parle avec vous, oh, je suis en train de voir le monsieur même dont je parle là. Le monsieur là, il a habillé, il a porté un haut. Mais le haut est ouvert au niveau des boutons et je suis en train de voir des tatouages au niveau de sa poitrine, c'est ça? Il a des tatouages. Je vois dans mon esprit deux tatouages. Il y a un tatouage où je suis en train de voir les lèvres d'une femme. Deux lèvres d'une femme, c'est ça? Ok, et de l'autre côté, je suis en train de voir, il y a des écrits. Donc, je vais regarder secret. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire. Il faut dire ceci à l'homme avec qui tu veux, avec qui tu vis. Dieu va vraiment l'élever, Dieu va le bénir. Mais il y a un problème qui arrivera. Je suis en train de voir, on va proposer à cet homme de rentrer dans les mauvaises choses. Est-ce que tu m'entends? On va proposer à cet homme de rentrer, oh my God, on va proposer à cet homme de rentrer dans les mauvaises choses. Et cela va causer une très grande séparation qui doit arriver. Mais l'Esprit de Dieu m'a envoyé avec le mandat de détruire cela parce qu'il m'a dit, toi tu es une servante de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Je vois dans mon esprit, il y a une dame qui passe le temps à beaucoup prier pour vous. Oui. Est-ce que tu entends? Elle passe le temps à prier beaucoup pour vous. Mais dans mon esprit, j'ai l'impression de voir que c'est ta petite sœur qui s'appelle L-E-S-L-Y. Leslie, c'est qui? Elsie. C'est qui, Elsie? C'est qui en question? C'est ma petite sœur. C'est ta petite sœur? Yes. Mm-hmm. Maintenant, c'est qui, Chelsea? Chelsea, c'est ma petite sœur. Chelsea, c'est ta petite sœur? Oui. Maintenant, c'est qui, L-E-W-I-S à la fin? Lewis. Lewis, c'est ton frère. Oui. Oh, my chabra aleko soprehaï. Le ansoma ante parai paradigoso. Rako chabra yabahesa. Je prophétise et je décrète sur les 100 premières personnes qui ont partagé ce live dans au moins 100 groupes que vous serez les prochaines personnes à être localisées. Amen. Je vois là où tu es, madame. Oh, my God. On est en train de préparer quelque chose sur toi. Et même pendant que je parle de l'aveuglement de ton papa, il y a de cela depuis 11 ans en arrière, plus précisément en 2009. Et en 2009, je suis arrêté au mois de janvier, février, mars, avril, mais à partir de mai, juin, c'est là où il y a eu un grand déclic au niveau de ses yeux. Oui, c'est ça, madame. Ce que je dis là, madame, c'est vrai? Ok, et je vois dans mon esprit ça commencer comment? C'est pas que ton papa a eu un accident où on l'a boxé. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il a dormi. Un bon matin, il se réveille et il est devenu comme ça. Oui. Hein? Mm-hmm.
Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Oui, je crois en lui. Je sais que... Je vois dans mon esprit, on a volé les yeux de ton papa. Mmh. Oh my God. Est-ce que tu m'écoutes? Je vois, on a volé les yeux de ton papa. Mais je t'annonce, je parle ici en direct. Je viens avec une notion de récupération totale. Là où se trouvent les yeux de son papa, amen. Je décrète et je prophétise. Amen. Est-ce que tu m'entends, madame? Oui, prophète. Les yeux là seront retrouvés à partir de ce soir. Amen. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Qui appelle là-bas? Monsieur Tanguy Arnold depuis le Cameroun. Qu'il reste en ligne. Parce qu'il faut lui dire que l'Esprit de Dieu va lui donner des messages. Qu'il reste en ligne. L'Esprit de Dieu va lui donner des messages, mais je suis ici sur une personne. Allô, madame. C'est qui, monsieur Obian? Monsieur Obian. C'est mon papa. Monsieur Obian, c'est ton papa en question dont je parle là. Oh, Shamaligo, Stopraha Yavahaza. Mais madame, je vois dans mon esprit, oh, on a détruit la vie de cet homme. Mais Dieu veut faire quelque chose. Il y a de cela un mois, une semaine et trois jours. Il était 2h13, tu as rêvé ton papa. Mais lorsque tu l'as rêvé, tu ne l'as pas vu aveugle. Hein? C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. À chaque fois que tu vas voir ton papa, tu vas voir que ton papa est en train de se balader. Il est normal, on ne l'attrape pas. Pourquoi? C'est ça? Oui. Ok. Madame, je passe sur les détails, c'est ce que je vois. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Aïe, aïe, aïe. Dis un commentaire, fais quelque chose. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce qui est caché dans ta vie, à partir de ce soir, cela est démasqué et dépouillé. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Oh, my God, my God, my God, my God. Madame, oui. Posez les mains sur vos yeux. Parce que la même chose qu'on a fait avec votre papa, c'est la même chose qu'on veut faire avec vous. Oui, parce que je porte déjà le... Pardon? C'est parce que j'ai déjà des problèmes de yeux. Tu as des problèmes des yeux? Oui. Oh, ta maman va bien? Oui, elle va bien. Elle est restée au Gabon? Oui, elle est au Gabon. Maman Pélagie? Oui, maman Pélagie. Oh my God. Pélagie, c'est ta maman. Oui. Est-ce que la Pélagie, là, elle est née en 1973? Oui, 73, le 25. Le 25 août. Oui, 1973. 1973. Yes. Oui. Et je suis en train de voir que... Oh, Shambhali, Koprahayi, là-bas. Ta maman, il faut l'appeler. Actuellement, là, elle a un problème. Elle ressent des douleurs au niveau de ses pieds. Au niveau des pieds, les pieds, les pieds. Il faut l'appeler, elle va vous dire cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Très cher frère et soeur dans le Seigneur, il s'agit ici d'une dame. Une dame que je ne connais pas qui est en France. L'Esprit de Dieu m'a donné un message sur elle. Pendant qu'elle est en train de partager le live. Toi, certainement, on te dit partage. Tu regardes, tu observes. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te donner comme message. Certainement, tu fais face à une difficulté, à un problème. Mais le fait de partager ce live, Dieu va se révéler à toi. C'est pourquoi là où tu es, prends la peine d'aller au bas de ton écran. Appuie à la partie gauche en bas et tu vas cliquer sur partager. Partage dans tous les groupes. Partage avec des amis. Identifie tous les membres de... Wow, wow. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Identifie tous les membres de ta famille. Identifie tes amis. Identifie des personnes que tu connais parce que le Seigneur veut parler à des vies ce soir. Je décrète et je prophétise. Pendant que tu seras en train de partager ce live, sur les 100 personnes qui partagent ce live, je décrète au nom de Jésus-Christ que la faveur et la grâce est votre partage. Dieu vous localise et Dieu change votre histoire à partir de ce soir. Allô, allô, madame. Il faut prier pour ta maman parce que je suis en train de voir ta maman Pélagie qui est née précisément le 25 août 1973. Je suis en train de voir qu'il y a un esprit de mort sur ta maman.
Et l'Esprit de Dieu me demande de te dire que c'est un problème qui provient du côté de son village. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En fait, dans ta famille, on a consacré des personnes. Dans votre famille, il y a des personnes qui ont adoré le serpent. Est-ce que tu m'entends? Et sur ce serpent-là qui a tendance à rendre les gens aveugles, il faut demander à ton papa comment est-ce que sa grand-mère est morte, il va te dire. Sa grand-mère est morte, elle ne voyait plus. Et c'est un serpent qui a été adoré au niveau de votre famille. Ce serpent-là a un mandat. À un certain âge, les gens doivent adorer ce serpent dans la famille. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de te dire, il faut beaucoup prier. Parce qu'actuellement où je parle avec toi, les yeux de ton papa se retrouvent dans un endroit appelé Bitam. Il est de Bitam. Je suis en train de voir pendant que je parle de Bitam. Oh my God, c'est très profond, hein? C'est très profond. C'est très profond. Voyez, il y a des choses très sensibles que je ne peux pas dire ici. Très sensibles, hein, madame? Il y a des choses très sensibles que je ne peux pas dire. Est-ce que vous avez un parent habitable au nom de Alogo? Oui, Alogo. Je parle de tonton Brice. Tonton Brice Alogo. Oui, je peux connaître. Hein? Vous connaissez tonton Brice Alogo? My God. Ok, si vous connaissez tonton Brice Alogo, c'est bon. Ok? Oui. Certainement, vous allez tout faire pour entrer en inbox après avec moi. Parce qu'il y a des choses que je suis en train de voir là que je ne peux pas dire. Mais votre papa, les yeux, ces yeux-là, on a pris ça. On a mis dans une corbeille. C'est au niveau des bitames. C'est dans une cuisine. Je suis en train de voir une cuisine. On a pris les yeux de ton papa, on a mis dans une corbeille. Mais en bas de la corbeille, là, je suis en train de voir le feu des bois. Et pendant que la cendre monte, c'est en train de détruire les yeux de ton papa. Mais c'est dans une corbeille au niveau des bitames. Et pour que ton papa rentre dans la délivrance, il n'y a pas de sacrifice que vous allez faire. La seule chose, vous allez rentrer en contact avec moi. Je vais prier pour ton papa. Et même s'il a fait 11 ans, tant que l'Esprit de Dieu est en train de me donner la révélation sur ton papa, même après ces 11 ans-là, ton papa va voir clair. Ton papa va voir ton mariage. Ton papa va voir tes petits-fils. Il ne mourra pas comme ça. Tu as la foi? J'ai la foi. Je vois que c'est une situation qui te fait tellement pleurer. Tu pleures nuit et jour parce que la situation est tellement grave. Mais Dieu veut te faire du bien à partir de ce soir. Amen. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es à cet instant, sois restauré. Que le projet de l'ennemi sur ta vie, le projet d'aveuglement qu'on voulait relâcher sur toi, soit déclaré nul et sans effet au nom de Jésus. Je prie pour les yeux de ton papa. L'Esprit de Dieu s'il a révélé dans les détails, toi que je ne connais pas. Je décrète au nom de Jésus que ton papa est guéri à partir de ce soir. Là où ton papa se trouve, la guérison et le miracle sont partagés. Il reçoit la guérison là où il est. Je décrète que la liste qu'ils ont prévue, en fait d'aveugler des personnes, que cette liste soit déchiré par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es restauré par la puissance de Dieu. Amen. Je décrète que la séparation qu'il voulait causer entre toi et ton fiancé, à partir de ce soir, soit décrétée nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu est sur toi. Dieu te protège et t'épargne du danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré, c'est fait. C'est bon, madame? Merci, prophète. Que Dieu te bénisse. Restez dans la prière, restez dans le jeûne. Après, vous devez tout faire pour me contacter en inbox. Car il y a un travail qui doit se faire. Parce que la situation de ton papa n'est pas normale. Son papa a dormi comme ça, un bon matin, il se réveille, il ne voit plus. Je prie pour toi au nom de Jésus, tu es restauré, c'est fait. Amen. Sois béni. Hey, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais prendre les prochains appels.
Je vais prendre les prochains appels. S'il vous plaît, j'ai dit, je n'appelez pas tant qu'on ne vous a pas demandé d'appeler. Je répète, n'appelez pas tant qu'on ne vous a pas demandé d'appeler. Ne peut qu'appeler les personnes qui sont localisées. Il y a un appel ici. Allô, 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 allô. Allô? Allô? Shalom, qui est-ce? Oui, c'était pour un témoignage, en fait. Vous appelez pour un témoignage? Oui, on m'a appelé, on m'a dit d'appeler le prophète pour faire un témoignage. Ok, allez-y, allez-y rapidement, allez-y rapidement. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si Dieu a fait de grandes choses dans votre vie, nous bénissons le Seigneur. Et nous croyons qu'il fera encore des grandes choses. Madame, pouvez un peu aller plus vite et parler un peu plus fort. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Allez-y. Dieu m'a libéré de ma maladie des trompes. Dieu vous a libéré de votre maladie des trompes? Oui. Waouh! Ça s'est passé comment? C'était lors du dernier direct que vous avez fait. Ok. Et vous avez demandé de boire une bouteille d'eau. Oui. Et je l'ai bu la bouteille. Et toute la nuit, je n'ai pas arrêté de vomir. Ok. Je n'ai pas arrêté de vomir. Ça fait déjà 5 ans que j'ai cette maladie. Depuis 5 ans que vous avez cette maladie, au niveau des trompes. Oui. Ouf! Au niveau des trompes. Oui. Et ça, ce matin, je suis allée chez le médecin. Ok. J'ai des examens. Oui. Et comme quoi il me disait, il a testé mes urines deux fois, il n'a pas vu, il ne voit plus la maladie, il ne comprenait plus rien. Le médecin ne comprend plus rien, la maladie a disparu. C'est Jésus qui est fort. Madame, vous avez des examens avec vous? Oui, j'ai envoyé les examens à votre fils. Ok, est-ce qu'on peut faire l'appel vidéo? Vous allez présenter les examens? Je l'ai filmé ça directement, je l'ai envoyé comme à raison de COVID. On ne peut pas recevoir les examens en main. Ah, ok, ok. Par email. Par email, ok. Gloire à Dieu. Je vais devoir présenter donc les examens au peuple. Soyez bénis, madame, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Donc, restez en contact parce qu'après, il y aura un grand suivi avec vous, ok? Que Dieu vous bénisse. Partageons le live, partageons le live, partageons le live. Je vais prendre rapidement les autres appels. Partageons le live, partageons le live, partage, partage. Si tu as partagé dans 50 groupes, dis prophète, j'ai partagé, mais oh, tu ne m'as pas encore localisé. Oh. Partage dans 50 groupes. Dis avec moi, prophète, je suis là. Prophète, localise-moi. J'ai vu des appels en absence ici. My God. Oui, je vais prendre rapidement. Allô, 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 shalom, monsieur. Bonsoir, prophète. Que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Je vais bien. Je pense que je me sens bien. Je pense. Ok. Vous appelez depuis le Cameroun, c'est ça? Depuis Douala au Cameroun. Depuis Douala au Cameroun. Ma mère, elle est morte il y a de cela 4 ans. Elle s'appelait, son petit nom, c'était Mamou. Oh, my God. C'est vrai qu'il s'appelle Ordina, mais son petit nom, c'est Mamou. C'était l'homonyme de ma grand-mère paternelle. C'était l'homonyme de votre grand-mère paternelle. Monsieur, dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez déjà parlé une fois avec moi ou vous m'avez déjà même vu une fois? Non, 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 jamais. C'est la première fois que vous communiquez avec moi. Et pendant que je suis dans le live... Et vous avez donné son prénom. Pardon? Et vous avez donné le petit nom. Ça veut dire que son nom même, c'est Ornella. Ce n'est qu'en famille, les intimes qu'on appelle Mamou, qui veut dire grand-mère. Ok, gloire à Dieu. Parce que Dieu connaît. Rien ne peut se cacher devant la face du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wow, il y a tellement. Les appels là commencent déjà à arriver. Est-ce que vous me recevez? Je vous écoute, je vous écoute. Vous êtes à Douala actuellement? Oui. Waouh. Vous êtes avec votre famille, c'est ça? Oui, je suis avec mon épouse et mes enfants. Je suis en train de vous suivre, je vous écoute avec mon épouse. Et effectivement, elle s'appelle Annick. Votre épouse s'appelle Annick? Oui, prophète.
C-H-R-I-S-T. Qui est Christ? Christ, c'est ton deuxième garçon. Où est-il? Il faut l'appeler à côté de toi. Dieu veut parler à cet enfant. Cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Il a la main de Dieu sur lui. Il ne porte pas le nom Christ en vain. C'est un grand serviteur de Dieu que vous avez dans votre maison. Ok, cet enfant va aller loin parce que Dieu va vous bénir beaucoup à cause de ce garçon. Amen. Et là où vous êtes depuis le Cameroun, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de vous. Il me dit de vous dire de faire attention parce qu'il y a un esprit qu'on a relâché sur votre femme au nom de Annick. Madame Annick, dont je parle ici, doit vraiment faire attention. Oui, prophète. Parce que ce que je suis en train de voir n'est pas bon du tout sur elle. Aïe. Il y a un autre enfant dans la maison. Il y a un autre enfant dans la maison, il l'a allongé. C'est qui, Ethan? C'est mon premier garçon. C'est le premier garçon? Où est-il? Oui, prophète. Il a envoyé aller le chercher. Il l'a allongé. Je vois un Ethan, hein? Parce que je vois un Ethan. Amen. Un Ethan. My God. Oh. Réveillez Ethan. Cet enfant, vous devez prier pour lui parce que je suis en train de voir. Donc, si vous ne priez pas pour lui, un danger de maladie va l'arriver. Je suis venu prier pour vous depuis le Cameroun afin de repousser tous les vents de la mort. Tous les projets diaboliques relâchés sur vous. Amen, prophète. J'ai pris au nom de Jésus. Oh my God. Vous avez tellement des ennemis, hein, monsieur. Beaucoup des ennemis. Wow. Et ces ennemis-là, je suis en train de voir. On est en train de m'amener dans un endroit. Pasteur, on m'amène dans un endroit. Yes. Je vois cet endroit-là, lorsqu'on rentre à l'endroit, il y a la route, mais il n'y a pas le goudron. Hein? La oui. route est rouge. Et j'entends les gens qui disent « Bienvenue à Bunda. » Bunda, c'est mon village. Je suis originaire de Bunda. Ouf! Bunda, c'est ton village. Oui, prophète. Je suis en train de voir toutes vos adversités venir au niveau de Bunda là-bas. Les gens sont en train de comploter parce qu'ils sont en train de dire que depuis que lui là il est en paix avec la famille, là il ne se croit plus et nous allons tout faire pour détruire sa femme, tuer sa femme. Waouh, pendant que nous partageons ce live, au nom de Jésus. Je décrète que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Partage ce live dans au moins... Oh my God. Quelqu'un dit ici, j'arrive tard, mais vaut mieux tard que jamais. Waouh. Si tu es là, dis prophète, localise-moi, partageant. Le live est signalé atteignant le plus grand nombre de personnes. Nous sommes à près de 1000 ici. Partageant. Identifiant des amis. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Dieu parle. Regardez cette famille depuis le Cameroun. Cette famille que je ne connais pas, ils ne me connaissent pas, mais Dieu est en train de se révéler à eux. Dieu est en train de donner des détails sur eux. Des détails. Comment ne pas acclamer ce Dieu? Là où tu es, je te demande de partager ce live. Partage. Va au bas de ton écran. Permettez-moi de vérifier les partages. Nous sommes à combien de partages? Plus nous partageons, nous touchons le plus grand nombre de personnes. Oui. Car il y a des personnes qui n'accepteront pas forcément le Seigneur par une lecture d'un verset. Mais lorsqu'ils sauront que ce Dieu est puissant à la capacité de voir leur projet, à la capacité de voir des choses qui sont en train de se cacher. Tel que ce monsieur, je suis en train d'aller dans les profondeurs avec lui.
Et l'Esprit de Dieu révèle beaucoup de choses. Là où vous êtes, merci de bien vouloir partager le live. Identifiez vos amis, identifiez vos bien-aimés. Partout, 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 nous partageons. Nous partageons le live. Il y a un appel ici, pasteur, prenez l'appel. Le prophète ne reçoit que des appels des personnes qu'il a demandé d'appeler, s'il vous plaît. Allô, monsieur. Oui, prophète, je vous écoute. Nous vous écoutons. Donc, l'Esprit de Dieu me parlait d'un endroit au nom de Bunda. C'est votre village. Oui, prophète. Est-ce que vous avez un frère qui est de ce village, mais il porte le nom de Roméo? C'est mon grand frère, prophète. Roméo, c'est ton grand frère. Il y a toi et Roméo. Qui est-ce? Oui, prophète. Ok. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que le même sort est aussi projeté dans la vie d'un certain Roméo. Prenez les appels. Vous demandez s'ils ont été localisés. Si elles ont été localisées. Le même sort est aussi rejeté dans la vie de Roméo. Et vous dites ici que Roméo, c'est votre grand frère. Est-ce que le Roméo là est né en 1981? C'est toi qui es né en 81, hein? Oui, Roméo est né en 79. 81, tu es né au mois de juin? Oui, je suis né le 9 juin 81. Tu es né le 9 juin 1981? Oui. Ah, ok. Je prie pour vous aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui s'est fait à Bunda sur vous est déjà annulé par la puissance du nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. C'est déjà annulé. Amen. Parce que je vois que vous avez beaucoup de projets. Je suis en train de voir le projet d'une voiture qui est en train d'arriver. Le projet d'une grande voiture. Mais ils ont tout fait. Ils veulent tout faire pour vous limiter. Ils veulent tout faire pour détruire des personnes autour de vous. Vous pouvez passer le portable à votre femme. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Vous allez bien? L'Esprit de Dieu m'a montré une mort qui était prévue sur vous, hein? Mais nous croyons qu'au nom de Jésus, à l'instant où nous avons prié, cela est déjà annulé. Je répète, cela est déjà annulé. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous devez juste rester en prière. Vous devez juste rester en prière. Restez vraiment dans la prière. Parce qu'il y a tellement des attaques. Ah, merci Seigneur. Madame. Est-ce que tu as une soeur, une petite soeur au nom de Lorine? Lorine. Lorraine. Lorraine. C'est ça, Lorraine. C'est ta grande sœur, elle va bien? Elle va bien, prophète. Ah, ok. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une Lorraine. Après Lorraine, je suis en train d'entendre Marina. Qui est Marina? C'est ma grande sœur aussi, c'est ma sœur aînée. Après Marina, je suis en train d'entendre Annie. Qui est Annie? C'est moi, Annie. C'est toi, Annie. Ah, ok, je suis en train de voir la liste. Annie, c'est toi. Non. Ok. Soyez bénis. Vous devez prier pour toute cette famille-là, tous les noms que j'ai cités ici, parce qu'il y a un esprit de mort sur ces personnes, ok? Parfait. Ok. C'est l'orientation prophétique que je vais vous donner. Nous allons d'abord faire un travail avec vous depuis le Cameroun où vous vous trouvez. Après, si possible, voir comment vous allez vous déplacer pour le Gabon. Est-ce que vous m'entendez? Ok, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas prendre assez de temps avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je décrète au nom de Jésus que tous les plans et projets du diable sont annulés à cet instant dans votre vie au nom de Jésus. La main de Dieu est posée sur vous. Oh, je suis en train d'entendre. Je ne vois même pas, mais j'entends un nom. Jacqueline Melingui. Jacqueline Melingui.
Si la personne là ici, que la personne appelle en toute urgence, sur le numéro qui est épinglé, ne peut qu'appeler des personnes qu'on demande d'appeler. Jacqueline Melingui. Appelez rapidement. Jacqueline Melingui. Ok, pasteur, veuillez prier pour cette famille. Qui est ici? D'accord, Madame de Naël. Pardon? Madame de Naël. Elle était localisée par la situation de son père. Allô? Oui, allô, 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 allô? Allô, prophète. Bonsoir, madame. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonsoir, prophète. Que Dieu vous bénisse. Oui, qui est-ce, s'il vous plaît? Oui, c'est Madame de Naël. Oui. Oui, j'appelais pour vous dire vraiment que mon papa, il a été vraiment touché. Votre papa a été vraiment touché? Oui, vraiment touché par la délivrance du dernier direct. Là, vous appelez pour témoigner. Allez-y, donnez vos témoignages rapidement. En fait, il avait une douleur vraiment dans la poitrine qu'il ressentait. Il ne dormait pas les nuits. Ok. Et je lui ai dit de boire l'eau et de prier, vraiment prier. Parce que le père, j'ai enregistré vos directs, je l'ai envoyé ça, il a regardé, il a fait ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit qu'il se sent vraiment bien. Même les médicaments qu'il buvait ne faisaient plus rien. Il a dit vraiment, il se sent vraiment bien. Il s'est mis au pied, il a accompagné les enfants à l'école. C'est quelque chose qu'il ne pouvait plus faire. Oh my God! Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Madame, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre papa. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La paix, la grâce et la faveur de Dieu sont votre partage. Je décrète, vous êtes une bénédiction pour vos parents, une bénédiction pour le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, soyez bénis. Shalom. Il y a un autre appel ici. Allô, 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 allô? Allô? Allô. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Qui est-ce, s'il vous plaît? Qui est-ce? Allô? Je viens pour un témoignage, prophète. Vous venez pour le témoignage? Oh, il y a tellement de témoignages. Hein? Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Allez-y, donnez vos témoignages, s'il vous plaît. J'étais à Ivory, prophète, il y a 7 mois de cela. Vous avez prié pour moi. Oui. Qui est-ce là-bas? Qui est là-bas? Bon, vous allez donner vos témoignages après parce que ça ne passe pas. Ok, je vais prendre le numéro. Rapidement, partageons le live. Allô, 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 madame. Allô, prophète. Oui, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé de moi, la fille de Dieu. Ok, restez ici, s'il vous plaît. Je suis en train de voir un nom qui vient de passer là. Je vois le nom écrit Douce. Douce, Eps, Douce. L'Esprit de Dieu me donne un message sur toi pendant que tu es en train de commenter. Je suis en train de voir dans mon esprit pendant que je parle à toi, mon esprit est projeté au niveau d'un tombe. Et l'Esprit de Dieu me dit, madame, faites attention. Je ne sais pas si vous vous trouvez là-bas, mais dans mon esprit, je suis arrêté en tombe. Pendant que je vois Douce là, Eps là, l'Esprit de Dieu me dit, il y a un esprit de mort qu'on a relâché sur vous. Je reprends, il y a un esprit de mort qu'on a relâché sur vous. Dans le monde spirituel, on peut vous détruire. On peut vous détruire. Et il faut beaucoup prier parce que ça ne fait pas, il y a de cela un mois, vous êtes rentré dans un programme de jeûne. Vous avez prié pour la situation de la conception parce que vous avez du mal à concevoir. Vous avez du mal à concevoir avec l'homme que vous vivez qui s'appelle plus précisément Parfait. L'homme avec qui vous vivez qui porte le nom plus précisément de Monsieur Parfait. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ce que vous allez faire. Ou vous êtes prenez une bouteille d'eau. Lorsque vous allez prendre la bouteille d'eau, criez le nom de Jésus 7 fois. Vous criez Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Après, vous buvez cette eau. Pendant que vous allez boire cette eau, vous allez vomir. Après vomir, il y a des choses qui vont sortir à votre partie intime. Car l'Esprit de Dieu est en train de me dire, depuis que vous vous êtes mis avec Monsieur Parfait, il y a eu une emprise du monde des ténèbres sur vous. On a bloqué vos entrailles. On a bloqué votre ventre. Mais à partir de ce soir, la délivrance et la libération sont votre partage. Je décrète là où vous êtes, pas non jamais. Là où vous vous trouvez,
que cet esprit de mort soit renvoyé à l'envoyeur par la puissance du nom de Jésus. Soyez libre, soyez libre. Amen. Allô, 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 madame. Allô, dans le règne de l'esprit, je voyais une personne qui quittait d'une ville et rentrait dans une autre ville. Yes. Et l'Esprit de Dieu m'a donné le nom de la ville de Mwanda. Oui, amen, prophète. Vous quittez de Mwanda. Oui, prophète. Ça ne fait pas longtemps. Oui, prophète. Ok. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire, de faire attention, ok? Oui, prophète. Parce que spirituellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et donc, ce qui est prévu dans le calendrier diabolique, c'est qu'ils ont prévu, je suis en train de voir ça comme ça. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je suis en train de voir une personne sur le coussin là, c'est elle, hein? My God. Ils ont prévu dans le calendrier spirituel. Waouh, je suis en train de voir des choses. Il y a un stylo. Je vais noter ce que je vois là. Donnez-moi le stylo. Waouh, je suis en train de voir quelque chose. Ok. Et madame, dans le monde spirituel, ils ont prévu quelque chose. Je suis en train de voir, vous êtes en train de mettre les... Oh my God, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oh! Pendant que je parle, c'est lié au mois de naissance de la personne dont je suis en train de parler. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Qui est né au mois de novembre? C'est moi, prophète. C'est vous qui êtes né, mais votre mari est né en quel mois? En avril. Il est né en avril. Oui, prophète. Et vous êtes né en novembre? Oui, prophète. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le 22 novembre. Le 26 novembre. Je suis arrêté au 22. Là, dans mon esprit, moi, je vois le 22. Hein? Et la personne que je parle, dans mon esprit, je vois le 22 novembre et je suis arrêté en 1987. C'est moi, papa. Mais pourquoi tu dis que tu es né le 26, madame? Ne m'embrouille pas, hein? Amen, papa. Ok, et toi, tu as dit que ton mari est né au mois d'avril. Amen, papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, le 15 avril. Amen. Le 15 avril... 1900, je suis arrêté, je vois 7 et 0. Ça donne quoi, 70, hein? Il est né en 1970, le 15 avril 1970. Amen. Madame, c'est mon travail. Pour votre travail, là-bas, c'est le secrétariat. Votre travail, c'est aller faire les lois, le droit, tout ça. Moi, mon travail, c'est prophétiser. Je décrète et je prophétise sur toi. Amen. Toi qui es là, toi qui m'écoutes. Yes. La Bible déclare celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, yes, reçoit la bénédiction de prophète. Amen. Je libère la grâce de Dieu sur toi à partir de ce soir. Amen. Je prie que le Dieu qui me parle à cet instant, yes, là où tu es, Jésus-Christ de Nazareth, amen, change ta vie, change ton histoire. Amen. Pendant que tu es en train de partager ce live, yes, dans au moins 50 groupes, reçois la faveur de Dieu sur toi. Amen. Reçois la grâce de Dieu sur toi. Amen. Reçois. Amen. Hey, qui a partagé? Allô, 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 madame. Oui, papa. Je vais prier pour vous et ce que le diable a prévu sur vous sera annulé. Amen. Rien ne peut se cacher devant le Jésus que nous prions. Amen. Le Dieu, oh, my God, my God, my God, my God, my God, oh, my God. Oui. Ok. 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 Ouf. Elle va tomber physiquement où elle est. Madame, je suis en train de vous voir. Pendant que je parle avec vous, vous êtes allé à un endroit. Mais c'est à Mwanda. À l'endroit là, je suis arrêté à un quartier au nom du quartier fumier. Au niveau du quartier fumier, vous êtes rentré au niveau de l'entrée du carrefour en Passy. Amen, papa. À cette entrée-là, lorsque vous êtes rentré, vous avez fait juste 15 mètres comme ça. Vous êtes descendu du côté droit, vous êtes allé dans une église. Amen, papa.
Vous avez parlé avec un prophète. Le nom du prophète, c'est J-O-E-L, Joël. Amen, papa. Vous l'avez fait part d'une situation. Ce jour-là, vous étiez habillé, vous aviez une robe. Amen. La robe avait la couleur blanche et ça avait des fleurs sur ça. Ce jour-là, dans mon esprit, oh, chakreba ali kamaradia, mesopre e fakanta pai halaba, le gruva a chapaye ge sofraya, zezem pupum pali a isaparaide, rakrova a ze kalabarazo. Parce que, madame, pendant que je parle avec vous, l'esprit de Dieu est en train de me montrer les problèmes auxquels vous faites flow life et signaler. Satan, tu es un menteur. Amen. Satan, ce soir, je vais te récupérer. Yes. Je vais t'enchaîner avant tes 1000 ans. Je décrète et je déclare partout où tu es en train de partager ce live. Amen. Même si ils ont commencé à signaler ce live, yes, ça n'arrêtera pas la voix de Dieu. Je décrète et je prophétise. Amen. Dans la vie de Victor, pendant que tu partages ce live, reçois la faveur. Samantha, reçois la faveur. Yes. Hélène, reçois la faveur. Yes. Ishuel, reçois la faveur. Myrina, reçois la faveur. Rudy, reçois la faveur. Rebecca, reçois la faveur. Rudy, reçois, reçois, reçois. Je vois ici Kelly, grâce. Tigantia, reçois la faveur. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Emmanuel, sacrificateur. Je prophétise et je décrète sur ta vie. Tu as l'onction prophétique. Tu dois aller loin. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la faveur. Reçois au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Partout là où tu es. Je prophétise sur quelqu'un ici qui a un dossier de travail, qui a des problèmes de finances. Je déclare la réussite pendant que tu te connectes. Écris en commentaire, je me connecte. Écris en commentaire, je me connecte. Là où tu as partagé ce live, je déclare au nom de Jésus, par connexion prophétique, reçois, sois affecté, sois... Madame? Oui, papa. Ouh. Pasteur, c'est grave. C'est grave. Je vous prie de partager le live. Partagez le live. Partage au moins dans 50 groupes. Identifie quelqu'un. Si tu le fais, dis prophète, j'ai partagé et je viens vers toi. Là, je vais commencer à libérer des prophéties comme ça. Je vais libérer des prophéties et je passe. Je vais libérer des prophéties. Je suis en train de voir une dame ici au nom de Nanou. Pendant que je vois Nanou dans mon esprit, je suis arrêté au niveau de Franceville. L'Esprit de Dieu me dit que cette Nanou-là, on a bloqué ses études. On a tout fait pour qu'elle soit en arrière. Nanou, tu as un problème parce que tout récemment, tu viens de rencontrer quelqu'un. Mais tu l'as rencontré, je suis en train de voir, ils ont fermé au niveau de ton ventre. Et tu as des problèmes parce que tu n'arrives pas en ce moment à concevoir. À chaque fois que tu as des rapports avec cet homme, tu vas ressentir des douleurs. J'ai pas... Oh my God. Allô, allô, allô? La dame est toujours là. Je cherche à rappeler la dame. La nanou que je parle, pendant que je parle avec toi, je vois que tu as quelque chose physiquement à l'instant. À l'instant, tu es dans un salon. Là où tu es assis, là, l'endroit sur lequel tu es assis, c'est noir. Là où tu es assis, je vois que tu as quelque chose, mais c'est du noir en bas. Et au niveau du haut, là, c'est comme du jaune mélangé un peu au blanc. Tu es comme ça là physiquement. Tu as ton portable. Tu t'appelles Nanou. Tu es du côté de Franceville. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, la délivrance est ton partage. La libération est ton partage. Ce soir, c'est le défouloir prophétique. Je décrète au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, mon fils, les miracles veulent se passer là. Des miracles monnaies vont commencer. Est-ce que vous êtes prêts là où vous êtes? Est-ce que vous êtes prêts là où vous êtes? Là où tu es, maintenant même. Tu n'as plus de forfait. Le forfait va venir seul. Dieu, oh my God, Dieu va faire des choses terribles. Même si tu es malade, même si tu es malade, ça va être grave, ça va être grave. Je suis dans une atmosphère. Je réponds, je suis dans une atmosphère. Je vais relâcher une atmosphère pendant que vous partagez ce live. Partage le live, partage le live, partage le live. Là où tu es maintenant, il y a une visitation. Les anges qui travaillent avec moi ici, de partout où vous êtes, de partout où vous êtes connectés, les anges sont déployés dans vos maisons. Les anges commencent à vous toucher. Les anges commencent à changer de situation. Il y a des personnes qui ont des problèmes professionnels. Je décrète et je prophétise. Mais Kaviva Hosta. Ekatando Palisaya. Je décrète au nom de Jésus que vous recevez votre miracle de partout où vous êtes. Dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, même s'il y a un esprit à côté de vous, un esprit de maladie, un esprit de sécheresse,
là où vous êtes, recevez le toucher de Dieu. Pendant que vous partagez ce live, recevez votre miracle, recevez votre solution, recevez le chargement. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Je vois des anges toucher des personnes. Je vois des anges guérir. Je vois des anges restaurer. Il y a une visitation, même dans ton portable. J'ai un compte RTL Monnaie. J'ai un compte RTL Monnaie. J'ai ta carte bancaire maintenant. Je suis en train de voir des miracles bizarres qui se passent. Là où tu es, reçois au nom de Jésus. 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 Reçois, reçois, reçois. Je parle ici, il y a une Jessica connectée. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il faut faire attention. Ça ne fait pas un mois. Il y a de cela un mois. Et moi, je suis en train de compter et deux jours. Un mois et deux jours. Tu as fait un rêve. C'était le vendredi. Là, tu te rappelles de ça. Le rêve, tu voyais un homme qui venait. L'homme-là, il est grand de taille, il est noir. Il a deux nationalités. Il a une nationalité gabonaise et il a une nationalité togolaise. Et dans mon esprit, je suis en train de voir, pendant que je parle avec toi, que cet homme-là, c'est le père de ton papa. C'est le père de ton enfant. Vous avez eu un enfant ensemble. Mais après, l'homme a décidé de te quitter. Il est allé vers une autre femme. Écoute-moi, j'ai une nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth me dit, dans le rêve, tu as vu comment il venait te demander pardon. Vous étiez ensemble. Ce que tu as vu dans ton rêve va arriver ce soir. Je ne crains sur plus de 1000 personnes connectées. Là où vous êtes, au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Oh my God. Qui a partagé ce live? 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 Les offres de lance. Mais au hant à l'Ibrahakadus. Recoche aïta païke le ros. Rako païka lava aze grebahazo. Reko bashabali aya. Ma secre esusha aya. Le chroma aze palikosta. Eze mentala al halavala. Wine wine clé de clé supplida. Rabosta y para de gosta. Je vois Jessica qui confirme le message ici. Je décrète que je prophétise. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Dans cette atmosphère, tu es guéri. Oh my God. Oh my God, c'est fort. On pousse, on serre, on ne lâche pas. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui tient. Toi qui n'es là pas, toi qui es dans ce live, je te présente Jésus. Oh, il est là, il est là. Là où tu es maintenant, tu veux le recevoir. Tu peux écrire en commentaire, je reçois Jésus. Je reçois Jésus. Ce Dieu est bizarre. Il fait des choses bizarres avec des gens bizarres pour des résultats bizarres. Je prophétise la grâce de Dieu sur toi. Je prophétise la faveur de Dieu sur toi. Je prophétise le changement total. Ma fille Guini Pogolo, là où tu es, je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Dieu me dit, arrête de pleurer. Parce qu'il a pensé à toi. Ce que je te dis, ça va arriver. Dans les semaines qui sont en train d'arriver. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dans ta chambre actuellement, vous avez prévu une enveloppe, vous avez caché pour venir sceller quelque chose. Mais écoute, ce que je vais te dire, Dieu me dit de te dire, écoute, je vois l'ouverture d'un grand restaurant. Je ne parle pas d'une autre chose. Je vois un business. Et le business que je vois, c'est un restaurant. Mais je vois que ce business-là va ouvrir. Parce que, oh, Maraki lava aza. Meso kalabala ila raza. Rekroba aza, baligala raza. Rekoloba la reza. Masopa ala raza. Rekoloba ala raza. Le kamamama sopra ala gaza. Mon fils, prends le numéro. Prends ce numéro. À la fin, Dieu me donne le numéro de quelqu'un. Lance l'appel.
Et vous dites que c'est le prophète Emmanuel Tsoma qui est en direct. Il dit qu'il a reçu un message sur vous, il ne vous connaît pas. Hein? Oh my God. Tu as déjà lancé? Je suis en train encore de voir un deuxième numéro. Ma prouva a sekel. Le graba suja palaraz. Ma soufla radibost. Prends le deuxième numéro. 1-0. 66. 2 encore, 62, 99, 56 à la fin. My God, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Si tu es là, dis avec moi, prophète, accélère, partage cela. Nous sommes à plus de 1000 personnes ici et Dieu peut guérir des personnes, Dieu peut restaurer. Dieu peut faire des miracles extraordinaires. Oh, my God, my God. Nous mettons des cœurs, nous mettons des cœurs. On accélère. Nous mettons des cœurs, nous mettons des cœurs. Je peux encore localiser cela. Aïe, il pleut ici. Il y a un problème de réseau, mais nous sommes à plus de 1000. La personne a répondu. Donnez-moi le portable. Allô? Bonsoir madame. Bonsoir. Mon nom c'est le prophète Emmanuel Nzoma. Oui. Madame, Dieu vient de me donner votre numéro. Oui. Hein? Oui. Je ne sais pas si vous me connaissez. Hein? Non, je ne vous connais pas. Ah, vous me suivez sur l'internet. Oui. Dites-moi, vous m'avez déjà donné votre numéro? Vous m'avez déjà écrit un message sur WhatsApp, Facebook. Non. Ou vous avez mis votre numéro sur Facebook là-bas pour qu'on vous appelle. L'esprit, ok, l'esprit de Dieu est en train de me dire. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne connais pas la personne, mais pendant que j'étais en train de prophétiser, l'esprit de Dieu me dit, tiens ce numéro. Il y a une dame qui passe par une situation difficile. Et il s'agit de vous. Ce que le Seigneur va faire avec vous, ça va étonner le monde. Madame, vous êtes retraitée? Oui, je suis retraitée. Ok, vous êtes retraitée. Oui. Dans mon esprit, je vois le chiffre 3. Vous avez travaillé dans combien des endroits? Mais je vois le chiffre 3. Non, laissez. Vous avez même travaillé à Comilog, je vois ça. Oui. Dans combien des endroits? Dans 3 endroits. Dans 3 endroits. Et je vois, lorsque vous avez pris la retraite, il y a un dossier jusqu'alors que vous n'avez pas fini de régler. Non. Hein? Non. Et pourtant, je ne vous connais pas, mais Jésus vous connaît. Oui, amen. S'il vous plaît, je vous prie de partager ce live où vous êtes. Nous sommes à plus de 1000, près de 1200 ici. Nous pouvons partager, atteindre le plus grand nombre de personnes. Voici Dieu, oh my God, voici Dieu vient de donner le numéro d'une dame ici que je ne connais pas. Madame, vous et moi, on s'est déjà assis quelque part un jour? Non. On a déjà parlé ensemble un jour? Non, prophète. Mon fils, amen. Notre Dieu, il est réel. Amen. Hein? Vous suivez même le live actuellement? Oui. Et vous avez partagé? Donc, dans mon esprit, je voyais que vous avez travaillé dans 3 endroits. Et lorsque vous êtes parti, il y a un dossier que vous n'aviez même pas fini d'arranger. Mais jusque-là, c'est resté en stand-by. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous appeler pour pouvoir réactualiser cela. Parce que là où vous êtes, à partir de demain, lorsqu'il sera 14h, vous saurez qu'il y a un prophète au Gabon. Je parle de demain, 14h13. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Aïe. Hey, maman, s'il vous plaît, demandez aux gens qui nous suivent là-haut de partager le live. Demandez-les de partager. Tiens, il y a un appel ici. Allô, allô? Oui,
Maman, demandez à ceux qui nous suivent là de partager le live. Parce qu'ils ne veulent pas partager. Partagez le live, partagez le live, pardon. Il faut dire ça fort, maman. Partagez le live, partagez le live. C'est un dossier qui date depuis 2008. C'est un dossier qui date depuis 2008. Oui. Ok. Ce dossier-là, dans mon esprit, c'est lié à la santé. Et dans mon esprit, pendant que je parle avec vous, l'Esprit de Dieu est en train de me faire rentrer comme dans le monde spirituel. Et je suis en train d'apercevoir, il y a tellement eu des blocages qui ont été faits contre vous. Je suis arrêté comme ça et je vois derrière ce numéro, il y a un nom. Mais le nom, j'entends Madame Isabelle. Allô, allô, madame. Allô? Allô? Ça a coupé, hein? Parce qu'il faut chercher à rappeler la dame. Elle va rappeler. C'est qui ici? Quelqu'un qui n'a pas été localisé. Elle appelle comme ça. Regardez. Avant de continuer, pendant qu'elle va rappeler. Si vous êtes là maintenant, vous voulez avoir une consultation prophétique avec le prophète. Il se peut que je n'arrive pas à localiser tout le monde ici. À partir de demain, il y aura une équipe spéciale qui sera là-bas. Je vais vous donner le numéro. Une équipe spéciale. Il y aura mon fils, le sacrificateur, et il y aura la secrétaire. Ma secrétaire, la secrétaire de mon cabinet. Si vous êtes là à Libreville, vous voulez, je réponds, vous êtes là à Libreville, vous voulez que le prophète vous reçoive dans son bureau. À partir de demain, il y aura une plage de réception qui sera de 9h jusqu'à 15h. De 9h à 15h, vous irez à l'église. Je vais vous donner les numéros pour vous faire enregistrer rapidement. Lorsqu'on arrive à dimanche, je vais boucler la liste. Mon programme termine dimanche. Vous voulez que le prophète vous reçoive? Vous êtes ici au Gabon. Je n'ai pas fini de prophétiser. Hein? Vous êtes ici au Gabon. Vous voulez que le prophète vous reçoive? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous demande juste, demandez à la dame de rester en ligne, de noter ce numéro. Pour toutes les personnes qui ont besoin de réception, même après le live, vous allez appeler. Vous avez le numéro de la secrétaire. C'est le 066-063-76-19. Donc la communication peut ajouter ça à la phrase qu'ils ont épinglée là. 066-066, pour des personnes qui veulent me rencontrer, je vous fais la faveur, je ne reçois pas. Mais là, je vais recevoir peut-être la semaine prochaine. Je vous fais la faveur de vous, oh my God, de vous recevoir. Si vous voulez avoir un entretien prophétique avec moi, pour des personnes qui sont sur le plan national, pour des personnes qui sont sur le plan international, je vais voir quel programme mettre. Prenez le numéro de ma secrétaire, le 066-63-76-19. 066-63-76-19. Deuxièmement, le numéro de mon fils sacrificateur. Le 062-83-98-65. Si chez la secrétaire, ça ne passe pas, vous pouvez appeler chez le sacrificateur. Le 062-83-98-65. Je reprends. 062-83-98-65. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des personnes qui passent par des temps difficiles. Lorsque vous allez appeler ce numéro, c'est pour qu'il vous enregistre, afin que la semaine prochaine, je vois comment vous recevoir rapidement. Il y a plus de 3000 personnes en liste d'attente. C'est une faveur que je vous fais. 3000 personnes. Donc, prenez ce numéro rapidement. Vous avez des problèmes, partagez le live. Vous avez des difficultés. À partir de demain, ce n'est pas au téléphone. Demain, vous irez au niveau de l'église. Même si c'est en travaux, il y a des endroits où vous pouvez aller, on vous reçoit. Vous allez aller au niveau de l'église. Même si vous êtes malade,
Vous avez un problème, j'ai une équipe là-bas. Lorsque vous allez aller, vous allez vous enregistrer là-bas sur place pour avoir une réception avec moi. Vous êtes à plus de 1100 ici. Donc, vous avez des numéros. Peu importe le nombre que vous êtes. Demain, allez-y là-bas. Rapidement. C'est bon? Ok, je vais continuer. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je veux que vous priez pour moi. Il y a un monsieur ici au nom de Ben. Ben Romeo Quadio. Monsieur Ben Romeo Quadio, pendant que vous le dites, vous devez fouiller dans votre famille qui porte le nom de Roger. Roger. Et vous allez me laisser un message. Allô, 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 madame. Oui, madame. Allô, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ok, madame, je vais vous annoncer quelque chose. Donc, l'Esprit de Dieu, oh, me donnez votre numéro. Et il me dit de vous dire ceci. Yes. Qui porte le nom de Isabelle? C'est moi. C'est vous, Isabelle? Oui. Plus précisément, Isabelle Ipendo. Oui. C'est vous. Isabelle Ipendo. My God. Aujourd'hui, Dieu a montré aux yeux du monde qu'il vous aime. Ok? Amen. Dieu vous aime. Oh my God. Dieu vous aime. Julingia, sois béni au nom de Jésus. J'arrive. Mettez des cœurs. Partagez le live. Wow. Je vois ici Gédéon, ciel ouvert. Gédéon, ciel ouvert, Boulonga. Je vois, tu me suis depuis. C'est RDC, c'est République démocratique du Congo, c'est ça? Depuis la RDC. Je vois, tu te connectes parce que tu as besoin d'entendre une orientation. C'est une orientation sur ton ministère. Je suis en train de voir là où tu es dans une période où tu as besoin de comprendre la volonté de Dieu sur ton ministère. Et tu as besoin de cerner quel type de ministère tu as. Le ministère que tu as, c'est un ministère prophétique. Parce que je suis en train de voir comment Dieu t'a donné un message pour une génération, un mandat générationnel. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu es un prophète. Écoute, tu es un prophète, mais il arrivera un temps où il y aura comme un déclic sur ta santé. C'est pas que ça sera le diable. Tu vas recevoir comme un baptême, mais ça va te perturber. Après cela, je vois que tu feras comme 3 mois avec ça, tu seras attaqué sur le plan de la santé. Mais après cela, c'est là où le Seigneur va se révéler clairement à toi. Mais tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Là où tu es, Dieu te bénit et il te met sur la table des rois. Allô, 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 madame. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi psychologue? Vous avez fait dans ce domaine-là? Non, j'ai fait des études sur la santé. Je suis infirmière d'État. Vous êtes infirmière d'État? Oui. Ok. Parce que dans mon esprit, j'ai vu comme un dossier. Mais sur le dossier, c'était écrit psychologue clinicienne. Non. Je suis infirmière d'État. Je travaille à Côte-Nord. Ok, je parle du dossier, hein? Je ne parle pas de votre fonction, je parle d'un dossier. Le dossier. Oh oui. Ok, merci Seigneur. Waouh. Ok, le dossier dont je suis en train de voir est là. Le dossier là est dans un bureau. Le bureau là est jaune. Le dossier là, il y a plusieurs dossiers. Je suis en train de voir, il y a 143. Mais votre dossier là se trouve au 63e dossier. Mais le dossier c'est... Oh my God. My God. J'entends hôpital pédiatrique d'Ovendo. Oui. Oh. My God. Ouf. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Madame, je prie pour vous au nom de Jésus. Amen. Je vois, il y a les maladies qui commencent à vous embêter. Dieu vous guérit de toutes vos maladies au nom de Jésus. Dieu guérit vos pieds. Vous recevez une santé de fer. Amen. La puissance de Dieu est avec vous. Dieu vous restaure et Dieu vous rend libre. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh. Je prends qui ici? Prie pour la dame. Prie pour la dame. Elle doit passer à l'église et se faire enregistrer. Les probos chapale karalavos. Mashabali Gostrapa Allah Reko Sapraideba Anzo.
Nous ne sommes qu'au premier jour et l'atmosphère est grave. L'atmosphère est grave. Alexis Moutiangou, je suis en train de voir. Dans un mois, on va t'appeler signer un contrat. Hein? J'ai prophétisé pour toi. J'ai dit, je te vois jouer au ballon et tu vas aller en France. Tu es venu te plaindre. Oh papa, les dossiers sont bloqués. Tu as voyagé. Là, tu es en France en ce moment. Mais je te dis que dans un mois, tu vas signer un grand contrat. Parce que je suis en train de voir, écoute-moi, le Paris Saint-Germain. Tu seras la plus grande, oh, tu seras l'une des révélations du football gabonais. Là où tu es, Dieu va t'amener à une hauteur. Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Pendant que je prie pour toi, je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce à quoi Dieu a destiné pour toi puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ici ma fille Audrey. L'Esprit de Dieu me dit quelque chose sur toi. Là où tu es, l'Esprit de Dieu me parle sur ta maman. Je vois lorsque le mari de ta maman est mort. Audrey, lorsque le mari de ta maman est mort, tu as dit localise-moi, je te localise. Lorsque le mari de ta maman est mort, c'était dans un village. Le village est situé au niveau de Lastouville. C'est pas loin de Lastouville. C'est dans un village. Et lorsqu'il est mort, je suis en train de voir comment les parents de ton papa, donc du mari de ta maman, sont allés accuser ta maman. Ils ont dit que c'est ta maman qui a tué leur enfant. Et ta maman s'est retrouvée dans une difficulté là où elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Plus précisément au niveau des pieds. Elle a commencé à avoir des problèmes de santé au niveau des pieds. Je parle ici d'Audrey. Elle a eu des problèmes de santé au niveau des pieds. Et là où je parle, regarde, il y a de cela un mois, ta maman t'a dit ceci, que sa belle famille est venue la menacer parce qu'ils veulent récupérer le terrain familial. Donc le terrain que son mari a laissé, ils veulent récupérer le terrain là. Écoute, je vais donner une orientation prophétique. L'Esprit de Dieu me dit, tu dois appeler ta maman. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes, s'il te plaît? Tu dois appeler ta maman. Et lorsque tu appelleras ta maman, tu lui diras que le prophète a dit de laisser le terrain là. Parce que si ta maman s'azade dedans, elle ne sera pas trop forte pour supporter le degré de combat que je suis en train de voir. Elle laissera ce terrain. Je parle ici de ma fille Audrey. Elle laissera ce terrain. Et après cela, elle va recevoir une grande victoire. Parce que vous êtes dans une saison où Dieu a prévu vous élever. Et pendant que je parle, je suis en train de voir, tu es tombé sous onction de là où tu es. Tu es tombé sous onction. Tu es tombé sous onction. Aïe, 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 aïe. Tu es tombé sous onction. Tu es tombé sous onction. C'est une visitation qui se passe à cet instant. Dans le nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Mon fils, c'est fort. C'est fort. Il y a des gens qui tombent sous onction, c'est fort. Il y a des gens qui tombent sous onction. Je parle ici à mon fils Guy. J'attends la confirmation de Audrey. Regardez le commentaire. Guy, l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Ne mets pas ta femme dehors. Ne cherche pas à chasser ta femme. Je sente de voir dans ton cœur, tu as de l'amertume envers ta femme actuellement. Je parle de Guy qui me suit ici. Tu as de l'amertume. Et tu as commencé à prendre certaines décisions et résolutions dans ton cœur. Mais l'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans tes résolutions. Car si tu y vas, il y aura un grand problème qui t'arrivera. Un grand problème. La personne avec qui tu es, peu importe ses défauts, elle est comme une protection pour toi. Je réponds. Peu importe ses défauts, elle est comme une protection pour toi. Je parle de ton épouse. Je prie au nom de Jésus. Oh! Audrey confirme, elle dit amen, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les camarades host. Écrémeche baradicosta braida. Reposha ai barazigos. Les maradivos soprai. Les grobosha babababa. Se baradabos. Les babababa. So shaba les cost. Et qui en commentaire, localise mon prophète. Mon fils qui, Dieu va t'amener dans une dimension d'élévation.
Mais ce que tu es en train de traverser, c'est une persécution. Ne succombe pas, ne succombe pas à la tentation. Reste fort et persévérant et Dieu fera du bien. Dieu te fera du bien. Il t'amènera dans de grandes hauteurs. J'ai pris pour toi, mon fils, qui, là où tu es, reçois la stabilité professionnelle. Amen. Il confirme le message, il répond vérité, vérité, papa. J'ai pris pour toi dans le nom de Jésus. Que la paix soit dans ton cœur. La stabilité est ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les carrosses irabarados de Ebre Regosta. Racosto. Je vois Gwen Boumdama. Prophète, localise ma petite maman qui est très souffrante. Je prie pour ta petite maman, là où elle est. Même si elle n'est pas connectée, après tu lui feras écouter les paroles que je prononce. Je déclare par la puissance du nom de Jésus. Que là où ta petite maman est, qu'elle soit guérie à cet instant. Elle est guérie à cet instant. Je vois un monsieur ici qui me suit. Mais tu n'es pas là. Tu me suis, mais tu ne veux pas commander. Tu es derrière ton portable. Tu dis, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vrai? Tu es un monsieur, tu me suis. Et tu dis, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vrai? La preuve en est que c'est vrai, je vais donner ton nom. Et je vais donner le problème auquel tu fais face. Est-ce que nous pouvons partager ce live? Partageons le live. Identifions des amis. Partageons, partageons, partageons. 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 Ouf, Sabragos, Sabragos. Tu es connecté, tu es derrière ton portable. Un pasteur, c'est un monsieur. Il a le t-shirt, il est chez lui. Il a son portable, il observe. Il a dit ceci, je ne dois pas commenter. Mais je veux juste voir si ce qu'ils font là, c'est vrai. Le monsieur s'appelle Jacques. Tu t'appelles Jacques. Je vais masquer ton nom. Ton prénom, c'est Jacques. La situation qui t'embête, elle est très, très, très simple. C'est que ce n'est pas toi, c'est la situation sur l'un de tes parents. Et Dieu veut te faire du bien. C'est l'un de ses parents. Amen. Sa parente-là s'appelle Mbani Célestine. Mbani Célestine, actuellement, elle est atteinte d'un fusil nocturne. Tu es en train de regarder, tu dis, est-ce que ce qu'ils font là, c'est vrai? Mais tu es là, tu t'appelles Jacques. Tu as une parente, elle s'appelle Mbani Célestine. Si tu es là, et si tu crois, tu vas maintenant écrire en commentaire. Si tu es là, tu vas dire, prophète, c'est vrai. C'est l'une de tes soeurs, elle s'appelle Mbani Célestine. Actuellement, elle t'a appelé. Elle t'a appelé, ça ne fait même pas beaucoup de jours. Elle t'a appelé parce qu'elle a un problème de pied. Elle a un fissu nocturne. Mais le fait que tu te sois connecté, le Seigneur a écouté ta prière. Amen. Même si tu ne crois pas, Dieu guérit cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète et je prophétise par la puissance du nom de Jésus. Amen. Qu'elle est restaurée et qu'elle est guérie. Vous savez, il y a des gens qui sont connectés, mais ils ne croient pas. Elles ne croient pas. Des personnes qui ne croient pas. Elles sont là, elles observent juste, elles disent... est-ce que ce qui se passe là, c'est vrai? Viens ici en commentaire. Prophète, ils veulent me tuer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Localisez-moi. Qui veut vous tuer? Partagez d'abord le live. Qui veut vous tuer? Il ne vous aura pas. J'ai des craintes. Aïe, 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 aïe. My God, sopra e kente pereka. Ziko Shabra Alegos, Ma Sopra Radegos, Titrehe de Baya, Makura Ente, Mekento Anto Shikanta, Zipro Shabalegalabos. Il dit, monsieur, viens ici, tu es là, viens ici. Viens rapidement. Dieu me dit que là où ta parente est à cet instant, Dieu la guérit par la Kuriata Baraya. I receive
Elle est restaurée de là où elle se trouve. Rabo Shabaïda. Gisèle Avouma. Reçois la stabilité professionnelle au nom de Jésus. Je décrète la promotion sur ta vie. Élévation à tous les niveaux. Oh, oh, oh. Dis avec moi, prophète, monte. Même si tu viens d'arriver pour la première fois, une simple parole peut changer des choses. Dis avec moi, prophète, monte. Prophète, accélère. My God. My God. Shamanigis. Lobrabababa. Je ne vois plus de commentaires. Envoyez des commentaires, des commentaires, des commentaires. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir Clarisse. Clarisse Mba. Clarisse Mba, il y a un problème qui te préoccupe tant. C'est l'une de tes soeurs. Toi, tu es en Arabie Saoudite. Je te connais. Mais c'est l'une de tes soeurs qui est ici au Gabon. Elle fait face à une maladie. Elle est très malade. Elle est très malade. Et je vois que toi, tu devais même écrire ça pour que je prie pour elle. Je me rends dans mon esprit au niveau de Port-Gentil et je détruis tout ce qui a été fait sur la vie de ta sœur par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je décrète et je déclare la guérison et la restauration pendant que vous partagez ce live dans tous vos groupes sur la vie de ta sœur. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le miracle. Oh my God. Je vois ici une personne. Je vois Livia. Je vois un commentaire ici. Livia, si tu es là, appelle. Il y a un message pour toi. Appelle sur le numéro épinglé. Livia, tu es là, appelle. Livia. Malégoboche. Livia est là. Livia est là. Tu peux appeler. Je vous demande de partager ce live. Partagez le live. Livia, tu peux appeler. Livia, pendant que je vois ton nom, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. Je suis en train de voir quelque chose de clair. Dieu est en train de me parler de toi. Dans mon esprit, je ne te vois pas au Gabon, mais je te vois en étranger. Je vois un homme à côté de toi, mais il y a une situation que le diable est en train de vouloir faire dans votre foyer. Parce que vous avez un grand projet, mais le diable veut faire des choses pour vous mettre dans l'humiliation. Je vous demande de partager le live. Malégoche. Tu vis avec... Oh my God. L'homme s'appelle Nick. Nick. Tu vis avec un homme. Et l'homme porte le nom de Nick. Nick Kunguma. Kunguma. Nick Kunguma. Tu es là. L'homme porte le nom de Nick Kunguma. Nick Kunguma. Je veux parler à cette personne. Parce que le Dieu que nous prions, il est puissant. Dieu veut vous libérer ce soir. Oh, les coches, Antapraï Galaros, Rabosa Ibrahaza. Où est la personne? Si la personne est là, qu'elle se prononce. Je suis arrêté sur le nom d'Oguerel. D'Oguerel, je suis en train de voir un dossier dans tes mains. Mais je vois Dieu veut t'ouvrir des portes au niveau du travail. Je vois Dieu veut t'ouvrir des portes au niveau du travail. Et le dossier que je vois dans tes mains, c'est écrit licence 3. Je vois licence 3. Licence 3. Et Dieu, oh my God, Dieu veut t'ouvrir des portes. Au niveau de la semaine prochaine, il y a un grand acte prophétique que tu dois faire. Peu importe ce que tu peux avoir, même si c'est 10 000, lève-toi, va nourrir un orphelin. La semaine qui suivra, on t'appellera quelque part. Et lorsqu'on va t'appeler, tu vas être tellement heureux parce que Dieu... Oh, merci Seigneur. Oh. Dieu va tellement essuyer tes larmes. C'est ce que je vois sur toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Est-ce que la personne que je parle est là? La Livia que je parle, est-ce qu'elle est là? L'Esprit de Dieu me parlait d'une Livia. Si tu es là, il faut appeler sur le numéro épinglé. Il faut appeler Livia. Tu vis avec un homme. Je t'ai donné le nom de l'homme. Cet homme et toi, il y a un grand problème qui arrivera. Il y a un grand problème. Un grand problème arrivera entre vous. Il faut comprendre.
Je vois ici un nom au nom de Bangangoy. Bangangoy. Bangangoy, pendant que je vois dans mon esprit, je suis arrêté à la gendarmerie nationale. Bangangoy, pendant que je vois, je suis arrêté à la gendarmerie nationale. Et Dieu me dit que tu travailles à la gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je vois que tu as un projet de mariage. Tu as un projet de mariage, mais c'est bloqué. Tu as un projet de mariage, c'est bloqué. C'est bloqué pourquoi? Parce qu'il y a de cela 3 mois. 3 mois, tu as fait un rêve. Tu t'es réveillé, il était 4h28. 4h28 et 13 secondes. Dans ce rêve-là, tu as vu ton beau-père. Ton beau-père venait faire des rapports sexuels avec toi la nuit. Tu es là, la Bangangoy que j'ai parlé. Si c'est faux, vous allez dire ici devant les gens, c'est faux. Tu t'appelles Bangangoy, tu as fait un rêve où ton beau-père venait te faire des rapports et tu l'as poussé, tu as refusé. Et lorsque tu t'es relevé, tu étais tellement essoufflé. Et actuellement, tu es en train de préparer un mariage avec l'homme de ta vie. Tu prépares un mariage. Mais l'Esprit de Dieu me dit, si vous ne vous tournez pas vers lui, le mariage ne pourra pas réussir. Parce que je suis en train de voir quelque chose qu'on a travaillé du côté de ton mari. Du côté de ton mari. Et c'est fréquent. C'est fréquent pourquoi? Parce que vous avez même disputé déjà un jour avec votre beau-père physiquement. Vous avez disputé avec votre beau-père physiquement. Je reprends. Vous avez disputé avec votre beau-père physiquement. Votre beau-père est venu vous dire, c'est pas toi qui es venu apporter la division entre mon fils et moi. Si tu penses que tu auras mon fils, tu ne l'auras pas. Tu es là. Et pendant que je parle, tu es touché là où tu es. Parce que tu dis, mais comment est-ce que le prophète la révèle mes choses? Oui, parce que Dieu te connaît. Dieu veut te faire sortir de cette situation. C'est pourquoi là où tu es, maintenant, il pose sa main sur toi. Il te libère par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as franchi. La grâce et la faveur de Dieu sont ton partage à partir de ce soir. Waouh, waouh, où est la personne? Oh my God. My God. My God. My God. L'Andriana, je vois une dot. Le matériel d'une dot qu'on est en train d'acheter. Il s'agit de toi. Je suis en train de voir, tu seras honoré dans peu de temps. Reste dans la prière. Mais depuis ce temps, tu ressens des palpitations au niveau de ton cœur. Des fortes palpitations. Parce que l'Esprit de Dieu me montre que tu es victime d'une attaque sur le plan spirituel. Et tu dois prier. Tu dois vraiment prier parce qu'ils ne sont pas d'accord du projet que tu es en train de faire. Je vois une grande dot, mais ils ne sont pas d'accord de ça. Il faut vraiment beaucoup prier. My God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Praradaos, trohai karegost, rekosojai tabahante rezo, rakoprai debarasa. Si la Livia est là, elle peut appeler sur les numéros qui sont épinglés. C'est épinglé? Ok. Elle peut appeler si la Livia est là. Tu es là, Livia est là. Tu vis avec un homme. Ne sois pas étonné. Tu vis avec un homme. Et l'homme porte le nom. Des Nick, Nick Konguma, quelque chose comme ça, Nick Konguma, il porte ce nom. Et tu l'appelles même d'un petit nom au nom de Duc. Dominique Eman, je vois un Dominique Eman ici qui dit, prophète, dis un mot sur ma vie. Je vais te donner une orientation. Dominique, Dieu, le secret de toute élévation des ministères, c'est l'humilité. Le secret de toute élévation des ministères, c'est l'humilité. L'humilité à qui? L'humilité au principe de Dieu. C'est le message que Dieu me donne sur toi. L'humilité au principe et l'humilité aux grandes onctions. Tu as besoin de te familiariser à une grande onction afin d'aller plus loin. Parce que ton ministère est stagné. Tant que tu n'as pas de personnes qui vont te développer, qui vont développer ton onction, ça va être stagné. Et la seule chose que Dieu me dit, tu as besoin maintenant de comprendre le principe de l'humilité. Le principe de l'humilité, des instructions divines. Car lorsque tu te soumettras à plusieurs instructions divines, vraiment Dieu t'amènera loin.
Mais je vois que tu es un vrai homme de Dieu. Tu es un véritable homme de Dieu. Tu es un véritable homme de Dieu. Mais ton ministère a besoin de beaucoup d'apprentissage. Ton ministère a besoin d'être boosté. Ton ministère a besoin d'être impacté. Le seul secret que je te donne, soumets-toi. Soumets-toi. Avant de prophétiser, l'Esprit de Dieu m'a amené à un degré où... Waouh, c'est fort. Les numéros ne sont pas épinglés, je ne sais pas pourquoi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de prophétiser, l'Esprit de Dieu m'a amené un degré d'humilité pas possible. My God. Alors, si la Livia est là, la Livia peut appeler. La Livia peut appeler. My God. Saprovos. C'est le message que je te fais passer. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je crois que je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Hein? Je vous donne rendez-vous demain. Je reprends. Je vous donne rendez-vous demain. Ne vous déconnectez pas, restez. Je vous fais passer une information. Je suis déjà à plus d'une heure de temps de direct. Ne vous quittez pas, s'il vous plaît. Demain, soyez connectés à la même heure. Et à partir de demain, lorsqu'il sera 9h, tu as besoin d'avoir une rencontre avec le prophète. J'ai donné des numéros ici. Tu peux appeler sur ce numéro. Sur le 062 83 98 65. 062 83 78. Ah, 062 83 98 65. Pour toutes les personnes qui veulent savoir là où l'église se trouve, qui veulent avoir des entretiens rapidement, allez-y vous faire enregistrer. Là-bas, vous allez trouver à l'église demain. Jusqu'à dimanche même, donc de 9h à 15h, vous allez trouver le sacrificateur et la secrétaire. Donc, pour le sacrificateur, vous avez le 062 83 98 65. 062 83 98 65. Et le numéro de la secrétaire, c'est le 066 63 76 19. 066. Je ne sais pas pourquoi les numéros ne sont pas épinglés. Certainement, il y a un problème technique. Donc, vous allez prendre le 066 63 76 19. Voici le numéro du secrétaire, de la secrétaire. 066 63 76 19. 066. Merci de partager ce live, s'il vous plaît. Donnez-moi un instant. 066. Il y a tellement de personnes. Il y a tellement de personnes. Je ne peux pas localiser tout le monde ici. Il y a tellement de personnes. Prenez le 066 63 76 19. 066 63 76 19. C'est le numéro de la secrétaire. Pour toutes les personnes qui veulent avoir un entretien avec moi. La France, qui est-ce? Ok, c'est son projet, mais désolé, j'ai terminé pour ce soir. Et je vais prendre demain. Je vais prendre demain. L'heure est déjà arrivée. Et puis, il y a un problème de réseau. On signale le live là. Nous sommes à 1000, mais c'est bon, nous sommes à 1000. Donc, prenez ce numéro. Allez-y. Allez-y demain pour vous faire enregistrer. Et je veux vous recevoir la semaine prochaine au niveau de mon bureau. Alors soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de là où vous êtes. Je crois que Dieu va vous faire du bien. Si vous n'avez pas encore été localisé, croyez que vous serez localisé. Même à partir de demain, Dieu va parler à votre vie. Dieu va vous dire des grandes choses. Restez juste abonné sur notre page. Restez abonné, Dieu va vous parler. Il va dire des grandes choses. Donc ne vous découragez pas s'il vous plaît. Je crois que Dieu a quelque chose de grand qu'il va faire avec vous. Alors, si vous avez été béni, vous pouvez dire en commentaire, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni. Je vais devoir arrêter ce soir parce qu'il y a des petits problèmes de connexion. On signale un peu le live. Ok.
Voilà, merci. Ils ont pu épingler là, vous voyez. Donc, pour plus d'informations, au 062 83 98 65, sacrificateur, secrétariat, 066 63 76 19. Donc, c'est épinglé ici pour toutes les personnes qui veulent les réceptions avec moi. Lorsqu'on sera ensemble, j'aurai le temps de vous parler. Ici, je ne pourrai pas prophétiser sur tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je rappelle, ici, il y a des serviteurs de Dieu. Vous êtes évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, peu importe votre rang ministériel. Nous organisons un très grand programme sur la journée nationale des prières qui va se dérouler dans les plus brefs délais. Donc, si vous voulez participer, vous êtes prié d'appeler de même aussi sur ces numéros-là pour vous faire enregistrer. Appelez sur ces numéros pour vous faire enregistrer. Nous aurons un grand programme de prières. Nous allons nous retrouver dans une plaine pour prier pour le Gabon. Prier et durant ces temps de prières, je crois que des serviteurs de Dieu qui sont là vont recevoir beaucoup de messages. Donc, nous restons en prière et nous croyons que Dieu va faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand, de grand, des choses extraordinaires. Donc, vous êtes serviteurs de Dieu, vous pouvez aussi appeler sur ce numéro pour vous faire enregistrer parce que nous voulons former un lobby des hommes de Dieu unis, un lobby des hommes de Dieu qui doivent impacter sur le plan national à tous les niveaux. C'est pas qu'au Gabon, il n'y a pas de dons. Il y a des dons, il y a des prophètes. La preuve en est, vous voyez comment je prophétise ici, vous voyez comment d'autres prophètes prophétisent là, dans les lives, Facebook, partout. Il y a des dons, mais c'est parce que nous ne sommes pas unis. C'est parce que lorsque nous allons être unis, nous allons être forts. Vous voyez, nous allons être forts. Donc, s'il vous plaît, vous êtes homme de Dieu, veuillez vous joindre à nous et pour gagner le plus grand nombre de personnes. Deuxièmement, je vous demande, là où vous êtes, je vais vous présenter quelque chose. C'est mon frère qui a écrit un nouveau livre. Il s'agit du prophète Philippe. Il a écrit un nouveau livre. Et je vous prie, vous pourriez même aller sur sa page, consulter. Il a écrit un nouveau livre. Et je vous demande vraiment, je vous invite à voir ce livre. Parce que c'est un grand livre. Il y a beaucoup de mystères dedans. Donc, il a écrit un livre. Ça parle de la délivrance, ça parle de la libération. C'est vraiment extraordinaire. Je reviendrai sur ça demain pour plus de détails. Mais vous pouvez déjà consulter même sa page. Vous verrez que le livre est écrit. Donc, pour toutes les personnes qui veulent avoir le livre, veuillez consulter son secrétariat sur sa page. Lorsque vous allez sur sa page, vous allez voir un numéro et vous appellerez sur ce numéro pour avoir le livre. C'est un livre qui parle de la délivrance. Je crois qu'on fera un programme, moi et lui, sur ce livre. Parce que c'est grave. Ce qui est dedans, c'est vraiment grave. Donc, que Dieu vous bénisse. Le temps nous est imparti. Nous sommes à la fin de ces instants. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de faveur et Dieu de toute miséricorde, je te bénis. Je te loue pour ton amour. Béni sois-tu de ce qu'au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, nous avons encore vu une fois de plus la démonstration de ta puissance, des choses extraordinaires. Je prie à cet instant, Seigneur Père, que tu accordes une nuit douce et paisible à tes serviteurs et tes servantes. Merci pour ce temps de révélation. Merci pour ce temps, Jésus-Christ de Nazareth, de délivrance. Nous avons pu observer des témoignages de partout dans le monde et nous croyons que d'autres témoignages vont encore accourir. Je te bénis de ce qu'au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, tu as déjà prévu localiser cette personne qui n'a pas été localisée ce soir. Ma prière, Seigneur, est que tu te révèles. Seigneur, tu connais la vie, le problème, les situations que traversent ces personnes. Seigneur, révèle-toi en leur faveur. Seigneur, dis un mot leur concernant, une simple parole. Ce peuple a besoin de t'entendre. Ils ont besoin d'entendre, ne fût-ce qu'une simple parole. Ne fût-ce qu'une simple parole. C'est pourquoi, Seigneur Père, que ta volonté soit faite. Révèle-toi à eux, parle en profondeur. Seigneur, en quittant ce live, j'aimerais prier afin que ton règne demeure avec nous, que ta crainte demeure avec nous, que ton esprit soit avec nous. Seigneur, donne-nous de nous retrouver si nombreux ici demain pour le grand live. Donne-nous de nous retrouver, Seigneur Père, en des milliers de personnes pour le grand live. Seigneur, que des vies soient transformées, que des vies, Seigneur, soient changées. Je te loue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ce que ta main est posée sur ce portable et que là où une personne est avec son portable, elle est guérie à cet instant, elle est restaurée à cet instant. Que Dieu soit béni, nous avons prié, nous disons Amen. Alors, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Donc, demain, je tiens à vous informer qu'on sera là avec des bouteilles d'eau. Demain, soyez connectés avec une bouteille d'eau.
car j'aurai un service d'acte prophétique. Soyez connectés avec votre bouteille d'eau. J'aurai un service d'acte prophétique. Soyez connectés avec votre bouteille d'eau. J'aurai un service d'acte prophétique. J'ai pour terminer, je reviens encore sur le livre. C'est mon frère, il écrit un livre, c'est ça le corps de Christ. Oh my God. Ok, vous voyez, le live est signalé. N'oubliez pas, prenez le livre, achetez le livre du prophète Philippe qui est sorti. Vraiment, c'est un livre très profond. Je vous invite à prendre le livre. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver sur sa page, si vous n'arrivez pas à vous retrouver sur sa page et vous voulez le livre, vous pouvez appeler sur le numéro de mon secrétariat ici, hormis le numéro qui est épinglé. Vous allez prendre le numéro de mon secrétariat. Si vous voulez avoir le livre du prophète Philippe, ça parle de la délivrance. Et il m'a dit qu'il n'y a que 200 livres disponibles. Donc, s'il vous plaît, prenez ce livre. Faites le sacrifice. Faites tout pour avoir ce livre. Ce livre parle de la délivrance. Vous voyez, ce livre parle de la délivrance. Ce serviteur de Dieu, il a quelque chose en lui. Il a quelque chose de grand, quelque chose de fort en lui. Donc, ne laissez pas la grâce passer. Hein? Dieu le live est signalé. Donc, achetez le livre. Je vous donne le numéro rapidement. 066, prenez. 062 66 48 36. Il n'y a que 200 livres. Vous voulez avoir le livre maintenant, vous voulez avoir les détails sur comment faire pour avoir le livre, appelez maintenant. Appelez maintenant pour avoir le livre. C'est le livre du prophète Philippe. C'est un grand serviteur de Dieu. Donc appelez maintenant. Ça, c'est mon secrétariat personnel. Si vous voulez avoir le livre, prenez le 062 66 48 36. 062 66 48 36.